quoi cette vue là? Hé, hey, t'as vu derrière? Ça faisait longtemps que tu m'attendais à la gare? 82 pages. Ah, en tout cas, je suis désolé que t'aies assisté à ce spectacle, mais tu comprends, hein, elle avait juste passé la soirée d'hier, pas le week-end. Enfin, tu sais ce que c'est, les mannequins? Eh ben non! Oui, attends pour moi. Et dis-moi, en fait, tu m'as pas dit, t'en penses quoi? Eh ben, j'ai très peu d'avis sur elle, on s'est à peine croisés, hein. Qui ça? Eh ben là... Oh non, je te parlais de ma bagnole. Oh, pardon. J'en suis dingue. Ouais. Ouais. 540 chevaux, 12 cylindres en V, exclu Porsche, série limitée. Ouais. T'as senti la puissance quand j'ai doublé le motard dans le dernier virage, non? Ah ouais, alors dis donc, ça te coûte combien ce monstre sans indiscrétion? Ben pour tout te dire, toute option 120 000. Oh, euros. Ouais. Ça fait dans les 750 balles, si tu préfères. Non, je préfère en euros, ça me paraît presque accessible. Eh, hey, dis-moi, t'es branché voiture, toi, un peu? Ah non, non, j'ai toujours pas le permis, j'aime les bus. Ah, ouais. Non, en tout cas, c'est sympa d'avoir accepté mon invitation, Stan. Comme ça m'a pris d'un coup d'organiser ce week-end. Et puis, tu sais, le ski, c'est sacré chez moi. Puis là, j'avais besoin de faire un break, je bosse comme un dingue, j'arrête pas. Mais bon, le plus important, c'est que je m'amuse en gagnant de l'argent. C'est bien, ça, parce que moi, je m'emmerde en n'en gagnant pas. Ah, c'est rigolo, ça. Et pousse-toi un peu, pousse-toi. Salopard! Ah putain! Stan! Ah putain! Tom! Tu sais que t'as pas changé d'un pouce, hein? Ça, c'est parce que je fais beaucoup de stop. Oh, c'est rigolo, ça aussi. Oui, j'ai l'air plein de trucs rigolos comme ça tout le temps, tu vas voir. Bon, Stan, c'est quoi ton problème, là? Ah non, non, mais j'ai pas de problème. Je voulais juste te rappeler que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était avant ton départ pour ton voyage de l'extrême sur les traces du Che en Amérique du Sud. Ah bon? T'es sûr? Ah oui, certain. C'était un mardi à 15h36. Enfin, 37. Sans déconner, t'as une mémoire, toi. Qu'est-ce qui s'est passé ce mardi à 15h37? Il s'est passé que tu m'as emprunté 3000 francs pour le billet d'avion en me promettant de me rembourser jeudi. Mais effectivement, tu m'as pas précisé le jeudi de quelle année, donc... Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que depuis la gare, tu... Ah non, 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 je voulais te le rappeler. C'était une question de principe et de respect. Voilà, c'est tout. Dis-moi, c'est pour ça que t'as accepté mon invitation pour m'envoyer ça dans la gueule? Franchement, Stan, excuse-moi, mais je suis désolé, je me souvenais pas que je te devais de l'argent. Et puis, entre nous, 3000 balles, c'est pas non plus... hein? Ouais, tu sais quoi? On va pas rester là, hein? Je vais te faire un petit chèque. Alors. Voilà. T'as pas changé de nom, hein? Voilà. Tiens. 3000 euros! Ouais, ça fait dans les 20 000 francs à peu près. J'espère que ça coule le respect, les intérêts et le principe de notre amitié. Bon, allez, on passe à autre chose, hein? On peut le faire? Si on y réfléchit bien, t'es en train d'acheter notre amitié, Thomas. Là. Si on y réfléchit bien, t'es en train de me casser les couilles, Stanislas. Bon, allez, on se boit un verre! Hey, qu'est-ce qui te fait plaisir? Bah écoute, si t'as du. Sans zone confort, sans glace. Oh yes! Hé, hey, tu sais que la première fois que j'en ai vu, c'était dans le bar où tu bossais, là. À l'angle des allées Jean Jaurès et. Et du square Jean Jaurès. Comment il s'appelait ce bar? Le Jean Jaurès. Ouais, c'est con. Le Jean Jaurès. Allez, au Jean Jaurès. Au Jean Jaurès. Sinon, tu connaissais un peu le coin, là? Alors. Tu sais que t'es au cœur des Pyrénées, c'est mon pote. Ouais. Ouais, t'as senti cet équilibre, là, en arrivant. Et, tu connais le slogan de la région? Je veux dire, c'est fort. Le mec qui a pondu ça, c'est un génie. J'aurais aimé le pondre moi-même. Ariège. Terre courage. Ah ouais, c'est bien dur. Attends, c'est pas fini. Excuse-moi. Ariège, terre courage, vie sauvage. Ça y est, c'est fini. Eh ben, c'est bien quand c'est fini. Enfin, c'est... Ah non, mais on est de retour aux sources ici. Ouais. Et puis, tu sais quoi, les Alpes, c'est mort. Ah ben non, je sais pas, je viens d'arriver, on m'a rien dit. C'est ici que ça se passe maintenant. Oh. Ah oui, Platini et Arthur ont un chalet à deux pas. Platini. Ouais, tiens, regarde, et derrière, Tony Parker, il fait qu'on sort dans la valise. Tony Parker dans la valise. Non, mais ça, t'as craqué ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Mais regarde-moi ça, c'est pas un porte-manteau! Ça m'a coûté un bras! Bon, c'est pas grave. Eh, dis-moi, Stan! Je sais plus rien de toi! Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais plus rien, j'ai des milliards de questions à te poser! Bah écoute, je suis pas sûr d'avoir autant de réponses! Bah, je sais pas, tu fais quoi? Actuellement, là, je travaille dans le social! Ah oui, je vois bien, oui. Pardon. Ah, merci! Eh, dis donc, c'est bien le social, mais. Quel genre de social? Genre. Genre caritatif, genre humanitaire, genre. Genre social! Ah oui! C'est bien social, c'est important. Oui, enfin c'est social surtout, c'est ça. Voilà. Bon, parlons peu, parlons bien. Hein? T'as une morue? C'est-à-dire une morue? Bah, tu vis avec quelqu'un, si tu préfères? Ah bah oui, je préfère, oui. Et non, non, j'ai pas de... Enfin, j'ai plus de morue. Mais j'ai une chatte. Elle s'appelle Minette. Alors au début, je voulais l'appeler Roussette ou alors Caramel, mais bon, évidemment...
Elle est grise. Alors, Minette l'a emportée, quoi. Tu sais, Stan, t'es un ami. Si t'es dans la merde, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux... Ah non, non, mais je te remercie, si je suis dans la merde, j'ai une carte orange annuelle, une guitare, et puis je connais par cœur le répertoire de Cabrel. Et puis bon, le week-end démarre pas si mal que ça. Je viens de me faire un chèque de 3 000 € en 5 minutes. Alors t'inquiète pas que si je me sens dans la merde pendant le week-end, je t'envoie un petit SMS. Bon, sinon, alors sérieux, c'est quoi ce week-end de retrouvailles 10 ans après, hein? Je peux rien dire. Tu verras, c'est une surprise. Ouais, pas moi, tu peux... C'est une surprise. Ouais, mais... Tu peux aller voir ce que c'est, là? Ouais. C'est quoi, ça? Ah, bah ça, c'est le motard qui t'a fait un doigt et que t'as doublé avec ton 4x4 à 700 boules en sortant de la gare. Tu déconnes, il veut quoi le biker? Il arrive ici, non? Il arrive ici, visiblement, ouais. Dis donc, Tom. Quoi? T'as pas un flingue, hein? Qu'est-ce que t'es con? Tom! Quoi? Pas de chance. Bon, excusez-moi, je suis un peu énervé, mais ça va, y a pas mort d'homme, hein? En plus, un doigt près, c'était presque le salut motard, non? Et dis donc, t'étais bord de trouille, hein! Oh merde! Cookie! Cookie! Moi! Laisse-moi te regarder! Oh, mais t'es magnifique! Ah bah merci, hein! T'es pas mal non plus, hein! Merci! Merci pour ton invitation, ça m'a vraiment touché, hein! Oh, je suis content de te voir! Stan! Salut! Cookie! What a surprise! Eh ben écoute... bonjour. Salut. Gauche, droite. Ouais, j'ai pas... Oh. Eh ben écoute, t'as... Ouais. T'as bonne mine, hein? Merci, par contre, toi, t'as pris un coup de vieux, hein, Oh ben c'est sympa, ça, tiens. Ah non, mais attends, je suis content de te voir. Ouais, ben moi, il faut que je réfléchisse maintenant, je sais pas trop, hein. T'as toujours su parler aux femmes, toi. Oh non, 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 Cookie, c'est pas un porte-manteau. T'as une vue magnifique. Oh. Ouais, t'as vu ça? Hey. C'est pas presque magique. Perso, c'est pas pour me la raconter ni rien, mais j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Si, le Fujiyama. Ou le Kilimanjaro. Mais bon, ça faisait un peu loin en moto, hein. Et puis tu sais quoi, les Alpes, c'est mort. Oh! Pardon, excusez-moi. Allô? Oui, je suis bien arrivé. Tu m'entends, là? Mais enfin, pourquoi tu m'as pas dit que Cookie était là? Ben quoi, ça tombe sous le sens, non? Quoi, ça te pose un problème? Non. Bon. Ouais. Mais dis donc, Stan. Ouais. Et encore, Stan. Oh, ça va, ne regarde pas comme ça, quoi. C'est Cookie, quoi. Cookie, quoi. Ouais. Excusez-moi, vous parliez de quoi? Tom disait qu'il te trouvait encore bonne. Merci, Tom. Non, non, mais j'ai pas dit ça comme ça. Il est con, ce Stan. Ouais. Il en rate pas une. Dis-moi, t'as pas internet, toi, ici? Oh. Eh non, non, si j'ai pas internet. Non, mais tu sais à qui tu t'adresses? Moi, le créateur de toutvotout.com. Eh oui, parce que toutvotout.com, c'est l'idée du siècle. T'as raté Soir 3 avec Marie Drucker hier soir. Hop, toutvotout.com. Le coup de boule de Zidane à la 113e minute. Hop, 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 toutvotout.com. Eh oui, 15 600 connexions jour dès la deuxième semaine. Ça fait 5 ans aujourd'hui, et je fais ce que je veux, je gagne de l'argent, j'investis dans ce qui me plaît. Bref, je suis en pleine synchronicité avec ma vie. Tu te la fêtes .com, quoi. Je te retourne le compliment, ma douce amie, parce que j'ai vu un soir, là, par hasard, ton film sur le câble, à perte de vue. Ah oui, c'était donc toi. Je sais pas. Et alors? Bah, je vais plutôt bien en ce moment, tu sais. Non, mais... mon film, t'en as pensé quoi? Ah, ton film? Eh ben, écoute, c'était prenant. Ah oui, non, ce film a une capacité émotionnelle sans limite. L'histoire de cette fille, là, qui veut s'en sortir. Oui. Il s'en sort pas, finalement. Oui, c'est un parti pris de réalisation. C'était déchirant. Enfin, moi, ça m'a remué, hein, vraiment. Non, mais c'est un parti pris de réalisation. Ah oui? Je filme très près des corps en caméra embarquée. C'est ce qui donne cette sensation de secousse. Voilà, secouer. J'ai dit remuer, mais je pensais secouer. Non, non. Le film est à très bon écho dans la profession, mais alors la critique, elle m'a massacré. Mais c'est tous de nazes. Bon. Toi, t'es une artiste, Cookie. Ah oui, t'as un message à faire passer. Hein, Stan? Oui, d'autant plus que les critiques, c'est vrai que c'est pas l'art n'est plus considéré en tant qu'art, mais en tant que produit. Oui, d'autant plus que les critiques. Voilà, c'est de l'art pour les cochons. Voilà, c'est pas non plus important ce que j'ai à dire. Exactement. Voilà, merci. Et donc, financièrement? Un fiasco total. Ah. Manque de couilles générales de toute la profession. C'est pourquoi je me suis dit que toi, Tom, tu pouvais m'avancer 3 millions sans problème. Quoi? 3 millions? Là, je sais pas, Cookie. Tu sais, il faut que je calcule les risques. Il faut que je sache où est mon couloir de récupération. Il est à gauche en montant ton escalier. Oh, la tronche. Mais lâche les gars, je plaisante. Ah non, attends. C'est pas le problème, tu sais, je connais plein de gens au cinéma. Non, mais tu vois, ces mecs-là, c'est des businessmen. Ils sont un peu frileux. Tu m'étonnes qu'ils soient un peu frileux.
Qu'est-ce qu'il a dit là, l'autre? Rien, il est là, il s'exprime. Ah non. Non, mais tes films n'intéressent personne parce que peut-être ils n'intéressent que toi. Si, il avait un truc à dire finalement. Dis-moi, tu peux développer ton scud à la con là? Ah non, mais attention, parce que moi je l'ai pas vu ton film, hein. Ça doit certainement être un très bon film, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Les gens ils s'en foutent de voir l'histoire de quelqu'un qui s'en sort pas, parce que pour la plupart c'est ce qu'ils vivent tous les jours. Ah ouais, parce que tu t'y connais maintenant en cinéma, toi? Ah non, moi je te donne justement mon avis de spectateur, j'ai ma carte pas si limitée, c'est tout. C'est incroyable, hein. 9 ans après, il a pas bougé lui. 8! Quoi? Ça fait 9 ans, pas 8! Demande à Pythagore, il a calculé là. Oui, ça fait pile poil 10 ans. Et alors dis donc, ça fait combien 10 ans en euros? De toute façon, je vois même pas pourquoi je te parle. Voilà, t'as raison, je suis pas quelqu'un d'intéressant, et puis la vie d'un con, tout le monde s'en fout. Voilà, là on est d'accord, ouais. Ouais, bon, en attendant, Tom, tu as des GOG. Je sais pas, ça dépend, tu peux préciser le concept GOG? Des toilettes. Eh ben non, y a pas de toilettes. Non, c'est pas une de chalet, y a tout le confort moderne et tout, mais y a pas de toilettes. Non, t'es obligé d'aller te congeler la nouille à l'extérieur. En espérant que tu la trouves, parce qu'avec ce froid... Non, non, tu plaisantes, là? Mais évidemment. C'est en haut de l'escalier à gauche. La tronche. Ça va pas mieux, lui, quand même, hein? Ouais. Il a réussi à miner en moins de 5 minutes. C'est un don chez lui. Et apparemment, il a pas réussi à trouver sa voie. Il a pas l'air bien dans ses pompes. Mais qu'il en change, hein. Ouais, enfin, s'il continue comme ça, je vais lui parler, moi, parce que j'ai pas envie qu'il nous pourrisse le week-end. Hein. Oh, bah, excuse-moi, mais un week-end avec Stan, c'est quand même à haut risque, hein. Mais j'adore vivre dangereusement, c'est mon côté baroudeur, ça. Qu'est-ce qu'il prend, là? Rien. T'as une montée de testostérone ou quoi? Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris, là. Oui, bon, bah, c'est pas grave, hein. Non, je suis désolé, hein. Oui, bon, bah, c'est rien, ça fait tellement longtemps, j'étais un peu surprise, c'est... Je sais pas, cette attitude, ça m'arrive jamais. Oui, bon, bah, c'est pas grave. Bon, rassure-moi, notre amitié n'est pas fondée sur le fait que t'aies encore envie de me sauter. Oh, mais pas du tout. Oh non, non, je te dis, c'est l'attitude, je suis un peu en surventilation. Bon, allez, c'est quoi ce week-end de retrouvailles 10 ans après? Ah non, je peux rien dire. Allez, non, 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 tu verras bien, mais c'est une surprise. Eh, dis donc, je t'ai même pas demandé, comment va Mathieu? Mathieu, oui. Je sais pas. Mais Mathias, lui, va très bien. Pardon, Mathieu, Mathias, bon, hey. Quel âge il a maintenant? 8 ans. 8 ans déjà? Ouais. Oh là là. T'as une photo là? Oui. Montre. C'est un amour, il travaille très bien en classe. Hein. Ah, je sais pas s'il travaille bien en classe, mais. Il a ta bouche, le petit salopard. Hein. Oui, pardon. Et sinon, sans indiscrétion, tu vis seul? Non, non, je vis pas seul, tout va très bien, merci. Et toi alors, les amours? Oh, moi, les amours, tu sais, c'est toujours un peu. Un peu. Brouillon. Voilà, oui, c'est ça, brouillon. En tout cas, t'as un magnifique chalet, hein. C'est une splendeur ici. Hein. Merci. Tu sais, Cookie, quand je te regarde comme ça, je me demande pourquoi tu m'as pas épousé. Hein? C'est vrai qu'on était plutôt bien ensemble, non? Parce qu'un jour, sous prétexte d'être perdu dans notre relation et d'avoir besoin d'un temps de réflexion, tu m'as demandé de plier mes affaires pour que Céline Ronsard, que tu baisais déjà depuis 6 mois derrière mon dos, puisse venir s'installer en 48 heures. Ah bon? Ben oui, on est comme ça, nous les filles, on est basiques. On blague sur des détails. Oh, dis donc, t'as une mémoire, toi. Bon, allez, serre-moi un verre, on lui dit des conneries, t'as pas dit... Oh. Martini. Ah, excusez-moi, hein, je voudrais pas casser l'ambiance, mais je sais pas trop, ou bien je suis con, ou il doit y avoir un réel problème avec la chasse d'eau. Alors évidemment, ça n'a pas été la grosse commission, j'aurais rien dit, mais là... Enfin, ne voulant pas passer pour un goré vis-à-vis de la personne que tu suivras, je me suis dit, bah tiens, je vais l'en toucher deux mots à Tom. Excellente idée. Je sais, elle est un peu difficile, mais tu verras, il y a un petit coup de main à prendre. Alors, toi, tu t'achètes des 4x4 à 700 boules et t'es pas foutu d'avoir une chasse d'eau qui marche. T'en as pas trouvé sur .com. Tu sais quoi, t'as raison. Je vais même aller voir. Ah, alors toi aussi, t'es accro au téléphone portable. Ouais, pourquoi t'as le même problème? Ah non, non, pas moi, Tom. Je crois d'ailleurs qu'il envisage sérieusement la greffe. Il est déjà à son 3e rejet, là. Ouais, ben moi, je sais pas ce que je ferais sans. Hein. Ah. Y a pas du tout de réseau ici. Il paraît que si on le met trop souvent trop près des couilles, ça peut rendre stérile. On en dit des trucs, hein? Alors, dis-donc, Cookie, c'est quoi ce week-end de retrouvailles, 10 ans après? T'es au courant d'un truc, toi? Écoute, je lui ai posé la question tout à l'heure, il m'a dit, tu verras, c'est une surprise, tout ça, enfin, bref. Il veut pas dire. Bon, ben... Eh ben là, voilà, je l'ai.
Allez. Allô Rosita. Oui, excuse-moi. Hein. Je t'en prie, c'est Rosita. Oui, c'est moi. Oui, alors. Ah oui, attendez. Le deuxième, hein? Le deuxième placard à gauche. Voilà. Oui. Vous me le passez? Merci. Au revoir, Rosita. Au revoir. Ah oui. Allô, chérie? Oui, c'est moi, c'est... Oui, oui, je suis bien arrivée. Mais moi aussi, je t'aime. Hein? Oui, je te rappelle plus tard. Hein? Oui, moi aussi, je t'aime, mon bisounours. Oui, je t'embrasse. À tout à l'heure. Oui, encore une fois. Oh. Quoi? Ah non, mais rien, j'ai dit ah ah, j'aurais pu dire ah oh, mais j'ai dit ah ah, y'a rien sous ce ah ah, hein, c'est un ah ah comme ça. Ça me fait vraiment quelque chose de toi. Bah oui, je sais, enfin, moi de te revoir toi, parce que moi finalement, ben, je me suis pas trop perdu de vue. Hein, non, mais c'est juste qu'on s'est jamais parlé depuis, quoi. Ah, depuis que tu m'as quitté sans raison apparente? Non, c'est vrai, pourquoi? Bah, on aurait dû. Bah oui, c'est juste qu'on s'est quitté. Ah non, tu m'as quitté. Oui, c'est vrai. Eh oui, c'est une petite nuance qui a son importance dans une histoire, quand même. Hein, Enfin, j'étais perdue. Tu m'as pas rassurée et j'ai fait un choix et... Oh, puis meurs, tu sais quoi, j'ai pas envie de me justifier. C'est juste qu'on a compté l'un pour l'autre, que le temps est passé, il passe de plus en plus vite d'ailleurs, et que je me disais que c'était vraiment trop dommage qu'on se soit plus jamais parlé. Ok, c'est pas grave, lâche l'affaire. Hein. Moi, j'ai soif. Dis donc, tu dis souvent lâche l'affaire. Ouais, pourquoi? Ça te pose un problème? Ah, mais pas du tout. Bon, bah alors, lâche l'affaire. Voilà. Salut, T. Salut, T. Et alors, sinon, tu appelles toujours ton mec bisounours ou uniquement la montagne? Non, je suis désolé, hein, j'ai entendu la conversation bien malgré moi et je me disais juste que ça avait un petit côté cucu lapin, voire gnognon, hein, un bisounours d'amour que j'aime tant, je t'embrasse sur toutes les touches. Enfin, c'est juste que moi, il ne viendrait pas à l'idée de parler comme ça, c'est tout. Faudrait que t'aies quelqu'un à qui parler? C'est pas faux, ça. Et puis, c'est pas mon mec, c'est mon fils. T'as un fils? Oh, mais alors, je savais pas ça. Ouais, il s'appelle Mathias. Mais depuis quand? Mais depuis que j'ai accouché. 8 ans. Bon, et alors, je sais pas, t'as pas une photo, par exemple? Hein? Non. Putain, non, mais c'est pas vrai, mais t'es franchement lourd, Stan! Mais qu'est-ce que t'as fait? Regarde-moi ça! Qu'est-ce qui t'a pris de tirer comme un psychopathe sur cette chasse, hein? Et puis, je sais pas ce que t'as bouffé, mais c'est rangé dans mes chiottes, hein. Excuse-moi, Cookie, si je fais rien, c'est le Titanic dans 2 minutes. Hein. C'est vrai, quoi, ils ont foutu mes chiottes maintenant. Ils s'en foutent, c'est pas ces chiottes. Hein. Ah, c'est vrai, quoi, merde. Allô? Hein? Quoi? Non, mais ça, on en a déjà parlé, je l'ai remarqué. Bon, bah alors, tu viens pas, c'est ça? J'ai pas envie de me prendre la tête, là, tu vois. Allô? Allô? Oh bah merde, ça a raccroché. Un souci? Non, bah y'a plus de couverture de réseau. Eh bah c'est con, parce qu'avec le temps qu'il fait, il va prendre froid. Le réseau. S'il a pas de couverture... Ouais, alors donc, visiblement, tu attends quelqu'un. Décidément, on peut rien te cacher, Tom m'a proposé de venir avec quelqu'un, pas toi? Si, si. C'était Nadia, une copine. Depuis quand t'as des copines? Mais depuis que je fréquente plus des types comme toi. Tiens, parle-moi un peu de ta vie, toi, en fait. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu vis quelqu'un? Est-ce que tu fumes toujours des joints? Est-ce que tu rates toujours tes lasagnes? T'as compris, j'ai raté une fois des lasagnes! Je n'ai jamais refait depuis, donc tu peux pas dire comme ça à la cantonale, je rate toujours mes lasagnes! Non mais c'est vrai, quoi, merde, ça n'a aucun sens! Putain, c'est ça, ça! Bon, alors, si tu veux tout savoir, figure-toi qu'actuellement, je travaille dans la vente. À l'import-export. Mais c'est pas vrai, t'es dans la vente, toi, mais dans la vente de quoi? Eh ben, figure-toi que je vends des armes pour les services secrets ukrainiens. Non. Évidemment non, je travaille dans le social à Aubervilliers. Alors, je sais ce que tu vas me dire, c'est formidable, le social, tout le monde trouve ça dément, le social. Vendre des armes, c'est pas bien. Ben alors, putain, le social, c'est énorme. Allez, allez, parce qu'elles ont l'air tendues, les vaches, dans la région, quand même.
attends, si tu tournes en même temps, t'es hors cadre. Là, c'est ok. Ah, tu es splendide, hein. Ah bah merci, toi aussi. Et je sais, j'ai pas changé. Toi non plus, hein. Tu t'es même embellie avec ces années, dis-moi. Et merde, Stan, comment tu vas, ma poule, alors? Toujours en train de râler, toujours à faire la gueule. Et puis, dis donc, t'as gardé le look 80 avec ta chemise, hein. On dirait celle de Hutch. Salut Francis, tu fais toujours dans l'animation Noces et Banquet, laisse-moi ta carte, ma soeur se marie l'année prochaine. Eh ben dis donc, je suis plein de malheureux qui va t'avoir comme beau-frère. Oh le con, hein, il change pas avec sa tête lui alors. Ah la vache, on est mieux à l'intérieur, hein, parce que la montagne c'est beau mais c'est froid, hein, surtout en hiver. Et Tom, il est pas là? Eh ben, et vous, vous avez la frite? Bah, oui, tant mieux! Et moi, Francis Kefelec est dans une forme olympique! 2 heures de sport tous les matins! Piscine, hammam, sauna, muscu, power plate! Je me suis mis au bouddhisme, mes chakras sont en totale osmose avec mon karma! J'ai arrêté de fumer, alors j'ai des projets très très ambitieux! Oh, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un chantier des charpents en moumoute, un truc. Oh, regarde! Ah, non, merde, c'est Blandine, ma future nouvelle femme! C'est une jeune chanteuse pleine de talent. Je l'ai trouvée dans une boulangerie Aix-en-Provence. Elle était là, elle chantonnait derrière son comptoir. Et alors là, le coup de foudre. Hein. Je peux vous dire, mes bons amis, j'ai rencontré l'amour avec un grand L. Ah. Je peux vous dire que cette fois-ci, c'est du sérieux. Comment vous dire, pour être crédible, c'est... C'est la femme de ta vie, la future mère de tes enfants. Mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Et Virginie? Merde, Virginie. Bah oui, Virginie, enfin. Ah oui, non, oula. Pauvre Virginie. Merde, elle est... Morte? Oh. Eh ben non, c'est toi. Non, divorcée depuis 6 ans. Elle me rendait la vie impossible, vous la connaissez. Mal. Ah, en fait, par pur respect, j'ai pas dit à Blandine que j'avais été mariée. Oui, bon, si vous pouviez éviter d'aborder le sujet, je compte sur votre discrétion, hein. Avec non, un petit billet, tout ça rentre toujours. Il ne sortira pas grandi de cette attitude. On va chercher, madame Tefelec. Ma chérie, mon sucre d'orge bébé. Ma chérie, mon sucre d'orge bébé. Dis donc, Kefelec, tu vois une petite étiquette avec marqué Blandine Maraval quelque part? Non. Eh ben, évidemment, non, je suis pas une valise. J'en reviens pas que tu me laisses avec les bagages, je suis verte. Merde, bébé, excuse-moi, c'est l'émotion qui me submerge. Là, ça fait une peine que j'ai pas revu mes amis, mais approche que je te présente. Là, c'est Cookie, hein. Là, c'est Stan. Et ça c'est Blandine, ma future femme. Allez, dis bonjour maintenant. Elle est très timide, hein. Oh, mais arrête! Bonjour! Kiki, c'est ça? Non, Cookie. Cookie, comme le gâteau. Quel gâteau? Le gâteau. Ah, et oui. Francis m'a beaucoup parlé de vous! Ah bon? Et vous, c'est? Pancake. Applaudis, oui. Pour les intimes, sinon certains continuent encore à m'appeler Stan. Ah. Eh ben moi, c'est pas si compliqué, hein. C'est Blandine comme... Eh ben comme Glandine, mais avec un B comme... Blandine! Voilà, c'est ça, voilà. Je te sers une coupe, Blandine? Un chouïa, parce que je supporte mal l'alcool. Bon, un chouïa, je sais pas si j'ai, mais un peu de coca, peut-être. Oh non, le coca, je peux pas, c'est gazeux. Mais le champagne, c'est très bien, hein. Je pourrais en boire des litres. Eh, avec modération. Bon, vous m'excusez, je vais mettre mes tatanes parce que je suis mis de du pied. Attends, Blandine, ça tourne. Ah. Action. Oh, mais arrête. Oh, mais arrête. Oh, mais arrête. N'est-elle pas délicieuse? Inoffensive, en tout cas. Voilà. Et non, en tout cas, il s'emmerde pas, ce fumier de Tom, hein. Moi aussi, j'ai jamais gâchonné dans les Alpes, à Avoria. Enfin, on fait construire, en copropriété. Mais franchement, venir ici, c'est dingue, non? Non, d'après Tom, les Alpes, c'est mort. Ah, les Alpes, c'est mort. Il change pas, celui-là, hein. C'est quoi cette connerie, les Alpes, c'est mort? T'es pas au courant, c'est ici que ça se passe, mais non.
Mais il se passe quoi ici? C'est le cul de la louve. Y'a rien. Enfin, y'a rien, ils sont tous là dans la vallée, par cœur, platine, il faut qu'on soit des chalets partout. Les Alpes, c'est mort, il en a de bonnes, lui, hein. Alors, monsieur Klein décrète comme ça, hop, les Alpes, c'est mort. Et ben moi, je décrète, la Creuse, ça pue des pieds. Voilà, toc. Les Alpes, c'est mort, et la Creuse, ça pue des pieds. Non, mais les Alpes, c'est mort, il me flingue, le mec, hein. De toute façon, on n'a pas encore vraiment signé avant Yann. Il est où, au fait, Tom? En conflit avec une cuvette. Excusez-moi. Allô? Mais non, j'ai pas dit ça, mais... Tenez, Blondine. Ah, merci, Spam. Non. Voilà, Spam, c'est un virus, ça n'a rien à voir. Et sinon, toi, à part ta tête de lard, tu fais quoi en ce moment? Actuellement, là, je t'écoute. Hein. Ah bah, dis donc, t'es toujours pas joyeux, toi, hein? Non, si j'étais joyeux, je ferais 1m20 les bras levés. Il est pas là, y a un problème? Si, tu vas le voir, mon cœur, tu vas le voir. Il sera là parce que l'Obispo, alors? Dis donc, faut que t'arrêtes avec ce type. Tu m'as demandé 100 fois, je t'ai déjà dit, j'en sais rien. Quoi, mais tu m'as dit que c'était son meilleur ami. Je t'ai dit qu'il se connaissait, son meilleur ami, c'est moi. Tu fais une fixette sur le chauve, là, c'est pas possible, c'est quoi? C'est son bonnet à la con, le sourcil, sa tête de cheveux, là, c'est quoi? Bon, alors arrête avec lui pour tout le week-end, d'accord? Oh, puis non, arrête avec lui tout court et définitivement. Tu sais, Blandine, il faut commencer à te surveiller, mon cœur. Pourquoi tu trouves que j'ai grossi? Pardon, excuse-moi. Je dis ça rapport à ta carrière. Tu vas devenir une star avec ce single. On va te poser un tas de questions et je serai pas toujours là. Ah bon, mais tu seras où? Nulle part, c'est une image. Ah. Je serai là, évidemment, mais tu peux pas t'enflammer comme une ado survoltée à la moindre occasion. Oh, ça tombe bien voir! On voit la neige! On voit la neige! C'est pas gagné, hein? Dis-moi, t'es au jeu, tu sais s'il y a du gratin ce week-end? Tu sais s'il sera là au Bispo et t'a dit quelque chose, Tom? Allez, je suis sûr que t'as une info, envoie. Oh, mais écoute, attends, Francis, calme-toi un peu, écoute. Il a dit qu'on verra bien que c'était une surprise. Ouais, t'as raison, sans cogne après tout, hein. Et sinon, toi, ça va la vie en ce moment? Le job, le cul, t'as Alaska, tu... Mais oui, tout va très bien, merci. Et toi, alors, il paraît que t'es devenu le king de la pizza? Le king. C'est mignon, remarque. L'empereur, tu veux dire. Oh, excuse. Non, mais t'imagines ça? Moi, un breton pur sucre, enfin, pur beurre, qui reprend la petite crêperie de sa mère pour en faire la plus grande pizzeria d'Aix-en-Provence. En plus de ça, j'ai monté avec un associé argentin un Vesuvio bis pour la saison à Argelès-sur-Mer, la plus grosse concentration de camping en Europe. Hein. Non, mais t'imagines la faune en plein cagnard au mois d'août? Un carton plein, hein, mon cœur? Oui, mais depuis que t'as eu ton contrôle URSSAF... Oui, mais ça, on s'en fout, Blandine, ça n'intéresse personne, ça. Bref, je suis en pleine bourre, les enfants, hein. Un vrai successful. En plus, là, je compte monter ma franchise à l'international, et au-delà de ça, j'ai des projets plus personnels, plus ambitieux, voire artistiques, hein, mon cœur. Ouais, c'est qui? Ah, c'est vous? Et comment vous avez eu ce numéro? Bien entendu, c'est pas le souci. Excusez-moi, hein, je reviens à mon cœur. Figurez-vous que mon comptable est décédé. Et le... Ah, vous avez fait une couleur, ça se voit. Non, c'est ma couleur naturelle. Ah, oui. Alors, comme ça, Francis me disait, vous êtes comédienne? Oui, je suis autodidacte, quoi. Ah, moi, je croyais que vous étiez comédienne. Oui, aussi, disons que je touche un peu à tout, vous voyez? Ah oui, moi aussi, je touche un peu à tout. Là, par exemple, je fais du tricot et je suis très douée, d'après ce que dit mon chaton. Et en plus de faire la comédienne, je vais bientôt faire la chanteuse. Mon prochain single va s'appeler Love Power Attitude. J'espère que ça va marcher, ça me rend toute chose. Eh ben, avec un titre pareil, ça risque d'être un carton, hein, Stan? Oui, oui, il me tarde de voir le clip. Ah, c'est mon chaton qui va le réaliser. En plus, ça va être énorme, alors. Et vous le connaissez depuis longtemps, Francis? 92 jours et demi. Mais 3 mois, quoi. Ah, ça, je sais pas. En tout cas, ça fait 92 jours et demi, oui. Oh, écoute, arrête, Francis! Oh, écoute, arrête, Francis! Ça va, mon cœur? Je t'ai pas trop manqué? Oh, il est tellement présent dans mon cœur, j'avais même pas vu qu'il était parti, alors... T'es fait comme un rave allemand. Tu l'emporteras pas au paradis, blonde. Attends, Francis! Attends! Eh ben,
connaissez bien, vous en souvenez. Ah, merci pour ton invitation royale, hein. Si j'ai annulé la dernière minute pour le séjour à Avoria. Quoi? Francis. Soit ta femme veut s'exprimer, soit un avion va atterrir, merde. Oui, Tom, il faut que je te présente Blandine. Alors, Blandine, voilà, c'est Thomas Klein, que je ne te présente plus. C'est mon ami, mon grand copain. Approche. Elle est très impressionnée, elle t'adore. Non. Oh, monsieur Klein, je vous adore. Je trouve que vous êtes formidable. Mais je t'en prie, dis-moi tu. Tu? Je veux dire que tu peux me tutoyer. Je te trouve formidable. Et ma mère aussi vous aime beaucoup. Et pourtant, elle a la dent dure avec les gens du showbiz. Mais alors, vous faites vraiment l'inhumanité. Ah ben alors, si je fais l'inhumanité... Eh ben, enchanté, Blandine. Je rencontre beaucoup de monde et j'ai jamais rencontré de Blandine. Et ce prénom, vous va ravir. Waouh. C'est formidable ce que vous me dites là, je sais pas quoi répondre, ça me laisse complètement bouche bec, je... Vive la montagne. Mais bon, dis-moi Tom, c'est quoi cette connerie, les Alpes, c'est mort? Bah évidemment que les Alpes, c'est mort, c'est ici que ça se passe maintenant, bonhomme. Ah. C'est mon téléphone, il faut que je réponde, c'est très important, il faut lâcher Blandine parce que vous ne pouvez pas vous déplacer ensemble. Moi, Stan, toi, téléphone. Oui, Jen. Oui, non, Valérie, oui. Comment ça se passe? Oui, j'ai dit nos coups de fil pendant ce week-end. Quoi? Oui, non. Non, arrête tout de suite, c'est connerie. C'est quoi ça? C'est pas un porte-menton, j'ai dit. Non, c'est pas toi que je parle, bien sûr. Oui, non, t'as bien fait, mets-le mon chalet. Oh là 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 là, il est vif! Ouais. Moi aussi, il me tarde d'avoir un chalet comme ça. Eh ben, fais une croix sur le chalet, on va plus à Avoria. Ah bon, mais pourquoi? Mais parce que les Alpes, c'est mort, Blandine, voilà. Oh non. Mais ouais, mais pas tout le week-end, les téléphones, ça va. Allô? Oui, ça va bien, oui. Ah merde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu au resto? Non alors? Quoi, monsieur Habib? Mais non, aucune ardoise, jamais. Mais Habib ou pas Habib, je m'en fous, c'est comme ça. Quel contrôleur ça? Oh merde, c'est cet Habib-là? Ou alors t'offres le Dijon? Non, pas la manzana, elle est périmée. La grappa! Et puis tu fais tomber un petit billet de 50. Mais écoute-moi la truffe! Putain, c'est le chalet de vacances France Télécom, hein. Ah bon? Voilà, c'est terminé. Excusez-moi, monsieur Klein. Non, Tom, seulement Tom, et tutoie-moi définitivement, ok? Ok, définitivement. Voilà. Tom, est-ce que tu as une salle de bain? Mais bien sûr, la route est au premier étage, deuxième porte à droite. Si vous voulez voir votre chambre, c'est la quatrième porte à gauche. Il y a un jacuzzi au deuxième, une salle de muscu au troisième. Malheureusement, la piscine est au sous-sol. Oh non! Oh, mais c'est pas grave. Et si je me perds, j'irai chercher le TPS de Francis dans la voiture. GPS, mon cœur, GPS. TPS, c'est la télé, ça n'a rien à voir. Poutou, chaton. Poutou. C'est vrai, ils s'amusent bien, les bonobos, là. Dis donc, Francis. La Blandine, elle est... Eh, elle est quoi, Blandine? Fraîche! Psh, psh, Narta! En tout cas, c'est génial qu'on soit tous réunis là, vraiment. Hein. Ouais, j'ai pensé que c'était bon esprit. Ah, c'est vrai, Tom, ça le fait. Ouais, voilà, ça le fait, bon esprit, peut-être même trop, parce que maintenant qu'on est tous là, tu peux enfin nous dire ce qu'on fout ici? Bah ouais. C'est vrai, il a raison, 10 ans plus tard, soudainement, comme ça, ce week-end de rêve à Montaïlande. C'est quoi, en fait? Oui, cette montagne là-haut. Les enfants, je vous présente la crête de l'ours. 3600 mètres.
On est grave pas pot de phoque à ta crête de l'ours. C'est une idée, non? Demain matin, à 7h pétante, un hélico va nous emmener là-haut et on va tous faire une descente en hors-piste, comme jamais vous en avez vu. Mais hors-piste, ça craint pas un peu quand même? Mais pas avec le crâne de guide. J'ai contacté un guide de la région, un type très sympa, doublé d'une pointure, une épée, le mec. D'ailleurs, je vais inviter à dîner. Non, vous inquiétez pas, j'ai tout organisé. Après 10 ans d'absence, je fais bien ça. Enfin, tu nous as pas fait venir ici pour faire du hors-piste, pas moi, Tom, allez. Non, j'ai réussi et je vais vous en faire profiter, c'est tout, quoi. Le temps passe comme un plaid sur une voile tirée, on va se revoir quand, sinon hein? À l'enterrement d'un d'entre nous. J'ai pas oublié, vous savez, tout ce qu'on a vécu. Et si je vous ai invité ce week-end, c'est pour vous retrouver, vous, mes amis, les vrais, mes potes de toujours. Pardon. Voilà, pour tout vous dire, je viens de vendre ma société à Microsoft et je fête mon premier milliard. Wow. Ouais, ça paraît disproportionné, je sais, c'est vrai, mais bon, ça se fête, non? Sans déconner, t'as un milliard! Mais un milliard, un vrai milliard, en euros! C'est pas énorme! Ah ouais, en fait, tu nous as invités pour fêter ton premier milliard, quoi, c'est sympa. Non, non. Je vous ai un peu quitté brutalement il y a 10 ans et sans vouloir réparer quoi que ce soit, je voulais juste vous faire plaisir, quoi. Quoi, ça vous plaît pas, la balade? Mais si, c'est génial. Et tu sais quoi? Je suis contente pour toi, je suis fière de toi. Ça va être géant! Merci, Cookie! Ah, je suis entièrement d'accord, je suis fière de notre réussite, alors! Et enfin, de ta réussite! Merci, Francis! Hein, Stan? Oui, moi, je trouve que c'est une idée à la con! Et ben voilà! Qu'est-ce que t'as, toi, encore? Ah non, mais moi, j'ai rien du tout, hein. Et puis, je suis très heureux pour toi, fier de ta réussite, ton milliard, ton chalet, ton 4x4 système Porsche, et puis tes mannequins système Pouf, mais bon... Oui, franchement, on avait besoin d'un week-end aussi extrême pour se retrouver. Ça va être géant ce week-end. Non mais oh, géant pour qui? Pourquoi tu te jettes pas tout de suite par la fenêtre? Comme ça t'arrêtes de te supporter. Nous, on chiale un bon coup et après on va skier. Non, non, mais vous, là, vous pouvez peut-être passer toutes vos vacances au sport d'hiver en train de vous extasier sur votre nouvelle combi fluo ou à disserter sur la boîte de nuit la plus branchée de la station. Pas moi, j'ai pas les moyens, ça fait des années que j'ai pas fait de ski. Mais t'inquiète pas, ça s'oublie pas. C'est comme le Vélib. C'est vrai qu'il est un peu... Ah non mais Tom, elle a raison. Déjà à l'époque, il était vraiment, tu vois. Mais là, il est encore plus... Oh, ça va, ça va. Chacun a ses défauts. Je suis sûr qu'au fond de lui, il est très heureux d'être parmi nous. Ouais, vraiment très au fond. Hein. Dis-moi, il faudrait être spéléologue, hein. Ou gynécologue. Tu lis sur mes lèvres. Oh, c'est fin, hein, tous les deux. Hein. On est en forme. C'est de la dentelle, là, hein. Et puis ce qui est pas mal. Ouais. Enfin, il descendait, quoi. Voilà, ouais. Bon, j'ai prévu les sushis pour ce soir, ça va tout le monde? Des sushis à la montagne, l'autre. Mais oui! C'est un plat typiquement du coin, tu connais pas les fameux sushis des Pyrénées? J'avais bien pensé à une fondue, mais le problème ici, c'est les livraisons à domicile, c'est couscous, poulet, pizza ou sushis. Alors je me suis dit que les sushis à la montagne, c'était le paradoxe. Ah, Tom, le paradoxe, hein, t'as pas changé. Tiens, attends, tiens, Francis, viens avec moi. Je vais te montrer ma merveille. Ah, je t'arrête tout de suite, hein. J'ai passé l'âge des propositions malhonnêtes. Qu'il est con. Je te parle de ma cave. Viens, on va choisir le vin. Eh oh! Qu'est-ce qu'il y a? Bah et moi? Bah quoi, t'aimes pas les sushis? Bah non, c'est pas ça, mais je suis pas convié à visiter ta cave, moi. Ah oui, non, non. Tu sais, la cave, c'est un endroit très... très humide, voire malsain. Il y a comment dire, des rats des neiges... Mais bon, Tom, laisse-moi répondre, là. J'essaie de te raccrocher aux branches, mais elles cassent les unes après les autres, mon pauvre vieux. Des rats des neiges, toi. Bon, Cookie. Francis. Sans vouloir t'offenser, hein, et sans t'obliger à sortir ta banderole MLF, ni pute, ni soumise, hein, et par moi-même pour l'égalité des sexes, parce que primo, c'est important, hein, et dessous, il n'y a pas de raison qu'il y en ait des plus longues que les autres, alors égalisons les sexes. Il y a quand même des domaines qui restent exclusivement réservés aux hommes, voilà. Comme? Alors là... Comme dictateur, bourreau, devenir pape, et conduire un bus, ou choisir un vin, voilà. Bon, et tu connais quelque chose en vin, toi? Maintenant, je suis une fille, j'y connais rien, vin. Non, je vais prendre la pelote de laine de Blindine, et puis je vais vous tricoter un petit cache-sexe pour l'excursion de demain. Bon, allez-y dans votre cave, de toute façon, moi, je m'en fous, il faut que je me change et que je prenne une douche, allez.
Bon, t'es pas vexé, Cookie? Bon, non, tu sais, il m'en faut plus que ça, hein. Oh, bon esprit. Bon, tu réceptionnes le livreur de sushis s'il arrive, hein? T'as mon secret, je me reçois après. Hein? Eh oh, t'es gentil, là, je voudrais me changer, prendre une douche. Elle est où, ma chambre, là? Pardon. Non, la télé est au premier étage, deuxième porte à gauche, tu verras, t'as une vue à tomber sur le cul. Et puis moi, je suis à 5 mètres au bout du couloir, donc si t'as besoin de quelque chose. Oui, c'est bien compris, ça. Des rats des neiges, l'autre. Bon, allez, on y va? Bon, qu'est-ce que t'attends? Bon, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tom, oui. T'es mon ami? Oui. Bon, je suis dans la merde. C'est pas grave, ça va s'arranger. Ah, mais tu me connais, si c'était pas sérieux, mais là, le Vésuvio d'Argelès m'a coûté un œil, mon contrôleur SAF m'a coûté un bras, il me reste plus que ma bite et mon couteau. C'est l'essentiel. Mais par-dessus de ça, tu rajoutes un pouvoir d'achat en baisse, traite et crédit, t'invites les banques sur le dos qui t'expliquent que ton découvert autorisé, bah, t'es surtout autorisé à le recouvrir, tu vois. Puis ensuite, c'est la spirale infernale de l'échec, tu vois, qui te broie dans ta tête et se gangrène jusque dans ton slip, mon pote, tu me suis? Ouais. Non, j'ai pas bien suivi, par contre, jusqu'à ton slip. Je suis tellement cerné et acculé, Tom, que ça fait 15 jours que je me réveille plus au garde à vous, voilà. Il me fait du flasque au réveil, repos, plus rien. The end. Oh merde, pauvre vieux. Ouais, j'ai bien essayé de prendre du Viagra, tu vois, mais ça m'a provoqué un début d'œdème de quick, un truc. Bon, Tom, je suis au bord du gouffre et malheureusement, j'ai pas d'autre solution. Ok. Combien? Alors, avec le tout, hein, si on compte la clim dans la salle de banquier et tout, avec... tu vois, je peux voir venir. J'ai pas bien compris la somme. Qu'est-ce que vous dites? La somme. Ah, la somme. La somme, c'est 250 000. On parle en euros, là, on est bien d'accord? On est bien d'accord, tu vois, avec ça, je respire un max, quoi. Ah oui, ça fait cher la respiration, hein. T'as pas changé, Francis, hein? Non, mais attends, j'ai pris une leçon, là, je vais repartir à zéro. En plus de ça, je sais que tu connais Jimmy Cohen et j'aimerais lui faire parvenir le disque de Blandine. Le disque de quoi? Non, mais c'est pas une lubie, c'est de la bombe, ce single. Et puis, contrairement aux apparences, Blandine a l'étoffe pour être une star, crois-moi. Bon, bah écoute, t'inquiète pas, dès la semaine prochaine, je te ferai un chèque. Et puis je verrai dès lundi ce que je peux faire avec Jimmy Cohen. D'accord? Ah, merci, t'es mon ami, t'es mon frère, je savais que je pouvais compter sur toi. Ouais. Et puis tu sais, le power addict. J'ai pas un centime sur ton disque, Francis. Mais je t'ai pas demandé ça. J'attends! Ah! Oui, j'ai pas osé répondre. Elle est marrante, votre sonnerie, hein? Les hommes sont partis? Oui, une dégustation de vin strictement masculine dans la cave de Tom. Ah, oui. Moi, j'aime pas le vin. C'est à cause du raisin, je supporte pas. Par contre, j'adore le champagne. Le champagne, c'est fait avec du raisin. Et pourquoi c'est pas rouge? Quoi donc? Eh ben, le champagne, pourquoi c'est pas rouge? Si c'est fait à base de raisin, ça devrait être rouge. Parce que c'est du raisin blanc. Eh ben, j'aurais pas pensé, voyez. Dis-moi, tu le fais exprès ou alors t'es complètement... Maintenant, complètement quoi? Non, c'est rien, lâche ta affaire, je disais ça comme ça. C'est la messagerie vocale. C'est pas possible, on dit que le téléphone c'est l'avenir, mon cul, oui, bordel de merde, de téléphone de chiottes. Ah, vous êtes contrarié. T'es observatrice au moins. Vous le connaissez bien, Tom? Oui, on a été assez proches pendant un temps. Genre? Ben, genre proche. Eh ben, moi, je l'aime bien, moi. On a cru comprendre ça. Vous essayez de joindre quelqu'un? Oui, puis ça commence à me prendre le sou sévère, là. J'essaye de joindre mon fils. Oh, vous avez un fils? Oui. Il s'appelle Mathias, il a 8 ans. 8 ans? Mais vous avez quel âge? Mais je t'emmerde! Pardon, excusez-moi, je voulais pas vous... Non, c'est moi qui suis désolée. Je suis un petit peu à cran aujourd'hui. Je suis désolée. Bon, dites, je peux vous poser une question? Ça va vous remonter d'un cran. Non, vas-y, je crois que je pourrais gérer quelle que soit la question. Vous avez souffert pendant l'accouchement? C'est-à-dire? Il paraît qu'on sent plus rien avec la péritonite. La péridurale! Ah oui, aussi. Mais moi, je suis pas prête pour avoir un enfant, moi.
Bah oui, t'es un peu jeune pour penser à ça, hein? Et puis tu sais quoi? C'est tellement merveilleux qu'on en oublie tous les désagréments. Mais c'est pas vraiment l'idée de devenir maman qui m'inquiète, hein. C'est surtout physiquement que j'angoisse. C'est vrai, j'ai pas envie de devenir difforme. Et puis regardez Madonna ou Judy Foster. Elles ont attendu d'avoir 40 ans avant d'avoir leur premier enfant, hein. Et même Michael Jackson, il a attendu 40 ans, hein. Et comme le dit Caro, c'est ma meilleure copine. On se connaît depuis qu'on est toute petite. Elle est mannequin à Pibrac. Et comme moi, elle a commencé dans la boulangerie. On a passé nos études de CAP, vendeuse boulangerie, option viennoiserie ensemble. Mais en fait, elle s'appelle pas vraiment Caro. En fait, elle s'appelle... Caroline. Tu la connais? Non, pas vraiment, non. Et puis, toutes les femmes ne deviennent pas difformes, il suffit de faire attention, hein. Puis je vois pas pourquoi tu penses à ça, là. On est en week-end, à la montagne, pas dans un planning familial, hein. Ah, ma petite Blandine. Blandine. Tu n'es pas enceinte. En fait, je sais pas trop. J'ai du retard dans mon cycle. Bon, bah c'est simple, t'as qu'à faire un test, hein. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et alors? J'ai laissé tomber le test dans les toilettes. Il est parti avec la chasse d'eau. Mais avant qu'il tombe, je crois avoir vu la couleur, mais je sais plus parce que j'ai fermé les yeux. Sans déconner. J'ai l'air de déconner. C'est à cause de cette chasse d'eau pourrée, oui. Et si jamais je suis enceinte, je vais être obligée de dire pour mon chaton, il prendra une autre fille pour la chanson, parce que je serai grosse et moche, et que je vomirai partout avec des bouffées de chaleur face aux idées physiques toutes les 30 secondes. J'en voudrai à mon enfant et je deviendrai une mère indigne. Alors merci la vie en rose. Bon, bah t'as qu'à faire un autre test. Eh ben j'en ai plus. Bon, écoute, tu sais ce que je te propose? On va aller dans une pharmacie, on va en acheter un. Il doit bien y avoir une pharmacie d'ouverte dans cette station. D'accord? Je vais me changer, puis on en parle tranquillement en route. Allez, t'inquiète pas. Mais comment je dis à Francis? Tu laisses passer le week-end, tu rentres à Paris, puis si t'es enceinte, t'attends la bonne occasion et tu lui dis. Et c'est quand la bonne occasion? Je sais pas, moi. C'est un instant, une pulsion, un instant X que toi seul, tu pourras déterminer. Un moment X, tu veux dire quand on est en train de... Non, je parle pas de ce X que... Oh là là. Ce que je veux dire, c'est un moment qui te semblera le meilleur moment pour toi. Tu comprends ça quand même, hein? Ah, tu me rappelles ma mère. Je te cache pas, j'aurais préféré ta grande sœur. Mais bon. Merci beaucoup, Knacky. Voilà. Bref, fille. Cookie sur mes lèvres, le son qui sort de ma bouche. Moi, c'est Cookie. Cookie. T'as travaillé dans une boulangerie, putain, tu peux te le mettre dans ta tête, ça cookie comme un gâteau. D'abord, boulangerie et pâtisserie, c'est pas la même chose, je te signale. En tout cas, c'est très joli, Cookie comme prénom. Ça me rappelle un film où la pute, elle s'appelle Cookie. Je vais me changer, là. C'est parti! Ah oh! Mais vous m'avez flanqué la frousse, vous! Eh ben, désolé, c'était pas le but! Ouais, bon, heureusement, sinon ça aurait été vraiment débile comme blague! Ok, donc vous savez pas où ils sont? Chaton et Tom sont à la cave pour aller chercher du vin. Et moi, avec Cookie, je vais aller à la pharmacie pour chercher un truc! M'apprêter à faire quelques mailles de chandail de chaton en attendant d'appeler ma mère. Eh ben voilà, justement, moi j'ai oublié mon chargeur à Paris, mon téléphone est complètement déchargé. Ah, c'est bête ça. Merci, je m'étais déjà fait la réflexion tout seul. Donc... Mais non, parce que moi aussi j'ai oublié le mien avec le chargeur et tout. Je sais plus, j'ai la tête avec ce week-end. Mais regardez, il y a le téléphone de la maison là. Eh ben vous voyez quand vous voulez, hein. Et sinon, vous le connaissez bien, vous Tom, parce que Francis m'a raconté qu'un jour vous étiez à la plage et que. Achat que vous étiez... France Que non, France à... Billet. Bon, ben, menu, alors. Achat. France. Billet. Oui. 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 Eh, oh, j'ai dit oui, là. Oui, dites. Alors, c'est pas simple pour vous avoir en direct. On est obligé de passer par le truc vocal. On peut pas vous avoir à l'ancienne, comme avant.
Eh ben non, ça marche pas super votre histoire, parce que tu demandes France et la fille te dit gentiment, vous avez demandé international. Alors que toi, au départ, tu demandes France. Oui. Eh ouais, hein, alors à la limite, je sais pas, moi, la fille te dirait, ben vous avez demandé Valence. Ah oui. Eh ben quoi, eh ben quoi. Eh ben ça prendra un sens avec France. Mais là, votre histoire, ça merde totale. Total, ça merde. Oui, comment? Non, rien, c'est le chien, oui, bon, écoutez. C'est pas exactement pour ça que je vous appelle, mais vous savez, vos trucs vocaux à la longue, ça devient pénible bon, parce qu'on est... c'est pénible parce qu'on... Bon, déconnez, s'il vous plaît. Je suis en ligne avec la dame. Oh là là. Comment? Oui, le monsieur, pardon, excusez-moi. Bon, Blandine, vous tricotez pas pour le tiers-monde, vous faites rien d'important. Alors aidez-moi parce que je suis tout seul, le bureau est dégueulasse, y a pas de notes, prenez des notes parce que je peux pas y arriver tout seul. Bah oui, bah bon. Voilà. Et bon, dites-moi, à quelle heure part le prochain train pour Paris? Ah, ouais, mais c'est dans 17 minutes, ça. D'accord. Et il est direct. Ok. Et le suivant, 21h24. On prend celui-là? Ouais. Comment? Y a une correspondance? Où ça? Je comprends pas ce que vous me dites. Ah, articulez. Vesoul. Mulhouse. Toulouse. Ah, Toulouse. Hein? Alors, c'est joli, Toulouse? Oui, c'est très joli, Toulouse. Moi, j'ai de la famille là-bas. C'est quand même la capitale du rugby. Il y a Nougaro, il y a la Garonne. Merci, merci, c'est gentil, merci. Oui, donc, on me dit, c'est bien, Toulouse, il y a Nougaro sur la Garonne, qu'attend tout le monde, enfin, voyons. Comment? Vous savez pas trop, hein? Vous en foutez, en plus, d'accord, très bien. Bon, et alors, et le premier demain matin, il a quelle heure, hein? 5h14, hein? Ça nous fait trop tôt! Bah, évidemment, ça nous fait trop tôt! Un interlocuteur, vous comprenez, sinon ça se sent pas. Oui, bon, et le suivant, 11h17. C'est moins tôt. Ouais, c'est moins tôt. Et il est direct. Et oui, bah alors moi, ça m'ennuie parce que comme j'ai un petit peu de temps devant moi, vous voyez, bah, j'aurais bien visité Toulouse. Hein. Ah. Pardon? Non, non, je suis toujours en ligne, je réfléchis. Comment ça, ça vient pas vite, faut se décider? Bah oui, c'est comme toi, maman, faut trancher. Hein. Bon, écoute-moi, mon petit père, j'ai mis 3 plombs pour t'avoir en direct, alors je vais prendre le temps que je veux pour faire le voyage que je veux, les timings que je veux, pour le trajet que je veux. Comment ça, merde? Allô? Allô? Ah non, mais quel connard! Oh. Ah. Eh ben vous avez un truc avec le contact humain. Ouais, eh ben vous avez des cochons aux pieds. Eh ben, il est con, celui-là, alors. La bonne attitude. 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 La Non mais dis donc, vous entrez chez les gens comme ça, vous, c'est la maison du bonheur ici, j'en ai porte ouverte ou quoi? Eh ben oui. Enfin non, ça dépend chez qui, pourquoi, hein? En fait, c'était ouvert et je me suis permis de rentrer. C'est formidable ce que vous faites là. Ah, ça c'est rien, c'est l'intro de ma Corée, mais je suis pas encore au point, je m'échauffe juste là. Vous avez raison, il faut bien s'échauffer avant un effort physique. Je suis bien chez Thomas Klein? Non, non, vous êtes dans le chalet de Gary, dans les feux de l'amour. Ah bon? Eh ben non, veuillez m'excuser, hein, je croyais être chez Monsieur Klein, hein, pas de problème, hein. Non problème, on connaît Pierre. Ouais. Phil, désolé pour le dérangement, mais ravi, hein. Et puis, continuez le Love Power Attitude, hein. Mais je rigolais. Évidemment que vous y êtes. Regardez qui c'est là sur le poster. Oh! Hé, hey, c'est Monsieur Klein en 4 couleurs! Eh ben, il a l'air finot celui-là aussi! Comment? Non, rien! Je pense tout en moi-même! Bon. Blandine Maravaux! Eh ben, restez pas planté là comme un bodyguard! Non mais, évoluez dans l'espace, quoi! Non
Mais faites ce que vous avez à faire, quoi. Permettez-moi de me présenter. Pierre Descommiers, guide diplômé des hautes montagnes. Enchanté. Bonjour. Je vous offre un chewing-gum. Ça dépend, ils sont à quoi? Raisin sec date séchée. Mais dis donc, c'est pas évident pour faire des bulles. C'est comme tout, hein. Question d'entraînement. Ah oui, au fait, il y a les soucis devant la porte. J'ai jeté un œil parce que ça sentait un peu fort. Ça m'a l'air d'être du poisson, mais ça m'a pas l'air bien cuit. C'est sûrement chinois. Avant qu'ils aient une drôle de tête, leur petit four. Moi, je suis très vieux, voyez. J'ai bien les flageolets à chaque repas. Les trucs exotiques, je les sens aux touristes et aux parigots. Oui. Bon, faudrait peut-être les mettre doucement au four quand même, hein. Je peux me permettre? Mais permettez ce que vous voulez. La cuisine, c'est ma deuxième passion. Mais j'avoue que ce genre de truc-là, c'est une première. Voilà! Il est magnifique, ce chalet. Ah oui! Moi aussi, je devais avoir un chalet comme ça, mais c'est plus possible maintenant. Pourquoi? Parce que les Alpes, c'est mort. Voilà. Ah bon? Eh oui. Ah ben, vous serez bien mieux de par chez nous, hein. Et sinon, je m'excuse pour mon léger retard. Moi, je m'en fous, moi. Ah ouais, mais moi, je préfère être au réglo d'entrée et dire les trucs. Il y avait un contrôle à la sortie du village par la gendarmerie, et comme je me suis octroyé un petit écart à l'apéro, j'ai été déclaré positif, voilà. Moi aussi. Ah bon? Oui, moi aussi, j'ai été déclaré positif, mais j'attends confirmation parce que le test est parti dans les cabinets. Les cabinets? Oui, je suis foutue. Mais vous étiez dans le rouge? Non, dans le bleu. Bleu? Oh, mais sur moi, 1,6 g de graisse, ça. Oui. Et en tout cas, vous avez attaqué tôt. Attaqué quoi? Ben, l'apéro. Mais rigolez, j'ai bien un chiat de champagne. Dans ce cas, c'est leur test qui débloque, hein, ça arrive. Eh ben oui, c'est pour ça qu'avec Cookie... Quoi? Oui, Cookie, comme le gâteau. On va aller en chercher un autre de test. À la gendarmerie? Non, à la pharmacie. Mais vous voulez faire un test toute seule? Ah ben oui, faut que je sois sûre, maintenant je suis une grande fille. Ils vont vous faire une prise de sang? Mais non, c'est beaucoup trop tôt. Bon, écoutez, c'est pas si grave, hein. Le plus emmerdant dans tout ça, c'est les points. Mais les points, je m'en fous, moi. Je suis positive sur mon test de grossesse, ma carrière est foutue. Il me dit, c'est pas si grave, l'autre. Un test de grossesse. Oh, quelle buse, moi, je prie. Hey, mais c'est merveilleux, mademoiselle. Faut pas vous mettre dans un état pareil, hein. Et c'est un cadeau de la vie, ça. Ah ouais, un cadeau de la vie, un polichinelle dans le tiroir. En même temps, moi, j'en veux des enfants, mais là, c'est juste que... Quoi? Oh, mais de quoi je me mêle? Vous savez ce que c'est, vous, peut-être? Eh ben absolument, je suis papa 3 fois. Mais vous les avez pas portés? Vous n'avez pas été difforme? Vous n'avez pas eu le ventre qui touche par terre? Les bouffées de chaleur se passent aussi définies toutes les 30 secondes? Vous savez pas ce que c'est? Alors ne me dites pas que vous savez ce que c'est, hein? Et puis vous n'êtes pas Michael Jackson, que je sache! Oh, dis donc, c'est incroyable, cette carte! Mais encore, t'as rien vu, je vais recevoir des petits vins californiens. Arrête de secouer ça, c'est pas un orangina. Quand tu m'auras vu ce petit homédoc, tu m'en diras des nouvelles. Monsieur? Oh! Et vous êtes Monsieur Klein! Comment vous êtes entré? Je suis pas une machine, merde! Je peux pas avoir une vie normale comme n'importe quel être humain? Hein? Qui vous a dit que j'étais là? C'est Monsieur Deschamps, c'est ça? C'est le pluraliste, hein? Et il peut pas s'en empêcher, celui-là. Bon, c'est pas grave, je vais vous faire un petit photographe. Alors, c'est quoi votre petit nom? Voilà, je crois que vous me prenez pour un autre, Monsieur Klein. C'est-à-dire? Ceci dit, je vous ai vu dans une pub à la télé. Vous passez très bien. Ah, bah, merci. Pierre Descommiers, guide diplômé de haute montagne. Oh! Pardon, je vous avais pris pour... Il y a pas de mal, je vous comprends, hein. J'ai pas le physique de l'emploi, il paraît. Non, vous avez une très bonne tête. Eh ben, Francis, je présente Patrick. Pierre, je viens du premier, guide diplômé de haute montagne. C'est vraiment 5, mon gars. À qui il parle, là? Monsieur le guide, tu sais, je l'ai invité à dîner, je t'en ai parlé. Pierrot, pour les intimes. C'est vraiment 5. Ah, c'est lui la pointure. L'épée. Vous avez un bien joli chalet, là. Et une vue sur la vallée qui ferait bien des envieux, monsieur Klein. Oh, mais entre nous, appelez-moi Tom. Mais dites-moi, où sont les femmes? Avec leur geste plein de charme. Où sont les femmes? Et vous savez, on a l'air un peu rigide comme ça, mais on aime bien la poilette dans la région. Oui, en plus, je sens que ça va aller crescendo, hein. Et je crois que les dames sont sorties en ville. Je veux dire, à la station. Quand on arrive en ville... Pardon. Mais dites-moi, mais pourquoi faire? Ah, ça, je n'ai pas demandé, hein. Les femmes, ça n'aime pas trop qu'on les questionne. La mienne est partie parce que je posais trop de questions. Je suis sûr qu'en cherchant bien, il doit y avoir d'autres raisons. Et sinon, je voulais vous dire, monsieur Tom. Non, Tom, hein, seulement Tom. Pas monsieur Klein, pas monsieur Tom, pas monsieur du tout, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il voulait me dire, mon Pierrot? Comme c'est bientôt l'heure de l'apéro, ouais. Je me suis permis de mettre les petits fours à dorer doucement au four. Ah bah c'est très gentil ça, l'esprit d'initiative, j'adore. Attendez, mais quel petit four?
Les petits poissons dans la boîte chinoise. Les sushis. Il a foutu les sushis en four. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les Indiens ils faisaient wouh en allant à la chasse? Mais c'est pas fini mon cœur là, c'est pas fini. C'est parce qu'on oublie de dire un truc, c'est que non seulement ils avaient pas de sel, mais ils avaient pas de slip non plus. Qu'est-ce qu'il est con? Alors ça c'est moi qui l'est con. Hein. Pierre, je vous propose pas le joint d'herbe, en plus il reste que le cul de la vieille. Ah si si, je m'accorde quelques gâteries de temps en temps, hein. Et puis vous savez, les vaches on broute bien toute la journée, alors ça peut pas être nuisible, hein. Bon allez, je lève mon verre à notre hôte, monsieur Thomas Klein. Ouais. Pour sa convivialité, pour ce super week-end et pour la petite virée de demain. Merci Tom, Royal au bar. Bien dit, monsieur Tom. Monsieur Tom. Ils étaient bien rosés, vos sushis. Oui, n'en faites pas trop quand même, Pierre. Bon, vraiment, ça... Ça me fait super plaisir de vous voir tous réunis. Sérieux, je sais pas comment dire, ça me touche. Bon, allez, pas de pathos ou de nostalgie à la con, s'il vous plaît. Merci à toi, le frère que je n'ai jamais eu. Toi, le frère que je n'ai jamais eu. Je vois, je vous entends, Pierre, parlez sans crainte. Vous avez pas une guitare, monsieur Tom? Ah si, je dois voir. Non, il en a pas un, Tom, t'as plus de guitare. Ah oui, oui, c'est dommage, oui. Je l'ai prêté à un ami guitariste qui avait perdu la sienne. Oh ben c'est drôlement dommage. Oh bah oui, c'est dommage, et si on dansait? Oh yes, garde, ça c'est l'idée qu'elle est bonne, foutons le feu au dance floor, ma girl, eh. Oh là 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 là, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est qu'un dance, va finir. Mais attendez, j'ai retrouvé un truc, vous allez voir. Eh, Sam, tu vas halluciner. Accrochez vos fixations, les gars. Non. Affûtez vos strings, les filles. Arrête. DJ va se tomber dans la place. Non. Et ça glisse. Allez, merde, c'est des plombs. Oh, ah, vous inquiétez pas, je vais mettre par cœur, je vais aller chercher un... Waouh, putain, il y a un sublime clair de lune dehors, c'est... Ouais, mais alors dedans, c'est l'éclipse totale, hein. C'est bizarre aussi, ce truc de taper dans ses mains pour avoir la lumière. Oui, bon, elle est finie, la musique, là, hein. Ça va comme tu veux, Blandine, t'es à l'aise? Alors comment ça se passe? Je prends le canapé, vous prenez la pioule? Non mais dis donc, ça va bien, monsieur le jaloux, là? On danse au rythme du flamenco, je te signale. Et puis d'un coup, plus de musique, plus rien. Alors, on s'est mis à danser au rythme du rien, voilà. Hé, hey, venez voir! Venez voir, regardez ce que j'ai retrouvé! Arrête ça, là! Oh, là, ça. Oh non, t'as pas bougé, toi, oui, c'est dingue. Et Stan, c'est incroyable, alors toi, j'ai un peu moins de poils, hein. Oh, la boule que t'as lâché. Calme-toi un peu sur le joie, Blandine, t'as pas l'habitude. Et puis t'arrêtes de me faire péter la honte devant mes amis, la boubouille à Chatounou, là, c'est n'importe quoi, ça. Et on a un kenavo le breton, là. Il faut rien, les deux, c'est bon, sérieux, j'en pleure. Tiens, Tom, t'as pas du feu pour enlever le truc, là? Si, bien sûr. Allez, tiens, une petite femme pour finir. Et une petite chanson du pays, aussi, hein. C'est une tradition avant chaque randonnée importante. Ça nous permet de garder notre bonne étoile pour la randonnée de demain. Bon, il faut que je me chauffe un peu la voix. Attends, il va pas se mettre à chanter, là, Tom, rassure-moi. Mais si, c'est bon esprit, attends. Oh, 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 oh. Il est pas puissant, lui. Regarde-moi ça, un artiste, le gazier. Parce que là, on fait des cons entre copains, vous allez voir, demain matin, ça rigole plus du tout. Tu passes ton feu, s'il te plaît, pour moi. Il paraît que statistiquement, les gens des montagnes, ils chantent plus que les autres. Hein. Bah, évidemment, c'est des maniaques du champagnard. La chanson pour la balade du lendemain, ils en ont 550 et ça dure jusqu'à 4 du mat. Résultat, on n'est pas couché, on va être frais demain. Alors, juste une petite, mon Pierrot, la traditionnelle est basta parce que demain matin, on se lève tôt, hein. Montagne aux Pyrénées. Il est parti, là, lui. Je te mets amour.
Blondine, t'as fait des efforts là. Montagne fortunée, vous êtes mes amours. Oui, mes amours. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Non, c'est fini, d'accord. Oh non, Pierre! Oui! Oh non! Ça va, c'est rien du tout! Allez, on y va, mon vieux! Ah, c'est le vrai boulet, lui, hein! Oh, en fait, dis-moi, Blondine me disait que tu te lances dans le clip maintenant? Ouais, dans la musique, ouais! Ah ouais? Parce que tu t'y connais en musique! Tiens, Francis, t'as pas du feu, s'il te plaît? Si, si, bien sûr! Mais disons que j'ai des oreilles, du flair, j'écoute les choses et je sens l'air du temps! Allez, fais-le! Et Blondine, c'est l'air du temps! Fraîche et spontanée! Voilà, écoute, Cookie, on va aller à l'essentiel, toi et moi. Hein. Toi, tu veux passer à la postérité en réalisant des films chiants qui coûtent pas un rond et que personne ne verra jamais, tu vois. Et moi, je suis un businessman qui investit sur un coup marketing que tout le monde va écouter, tu vois. C'est pas du tout le même concept. Avec un minimum de risque et Blandine qui s'expose en vitrine, quel concept? Tu parles de la femme que t'aimes comme d'un coup marketing qui prend vraiment une perte de coronesse pour parler comme ça. Eh, c'est quoi les coronesses? Les testicules en espagnol. Quant à Blondine, ouais, elle a une voix, une présence, elle est parfaitement consciente des enjeux et des risques que ça comporte. Elle a ça dans le sang, je l'avance pas. Moi, je suis juste là pour la révéler. Quoi. Oui, j'attends, c'est mon pink marron. Non, pink malion, mon père, pink malion. Et puis Love Power Attitude, c'est un gros coup, c'est énorme. C'est my way, en mieux. Comme risque d'en croquer même d'ailleurs, hein. Oui, bah rien n'est fait encore. Ah, t'as raison, superstition. Mais marche pas là, c'est mouillé, je viens de passer un coup, tu vas bien. Ah, je vais lui vomir mes céréales dans sa gourdasse au guide, moi, tu vas voir. Et qui a écrit les paroles de votre chanson, Blandine? C'est Chaton. Qui? Eh ben, c'est Chaton. Chaton. Oui, il les a écrites spécialement pour moi, hein. Et vous voulez pas nous en faire un petit bout? Moi, j'aimerais bien l'entendre. Oh ben non, pas comme ça, je suis pas chaude ni rien, là. Mais si, vas-y, mon cœur. Juste le début, tu sais, en condition live, hein, avec la chorégraphie, comme dans la salle de bain avec le Babyliss pour le micro. Mais non, pas comme ça, je te dis quand même. Mais vas-y, comme à la maison, j'ai tout préparé pour Tom. Tu sais. Mais arrête. Mais vas-y, c'est quoi ce caprice de starlette, là? Mais la force pas, elle veut pas. Mais si, elle veut. Elle veut, elle adore ça. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'es pas dans sa tête, elle a peut-être pas envie, là. Pas d'accord. Mais juste le début. Chaton, viens voir. Chaton, viens voir. J'ai pas le babyliss pour faire le micro. Merde. Elle a pas de babyliss pour faire le micro. Tu nous prêtes ton babyliss? Pardon? J'ai une gueule à voir un babyliss. T'as rien? T'as pas un truc qui ressemble pour faire micro? Un god, ça irait? Bon, il se passe quoi là? Eh ben, il se passe qu'elle veut chanter dans un babyliss, y'en a pas, le concert est en suspens. Voilà ce qui se passe. Oh, tenez, regardez, Blondine, ce que j'ai trouvé! Regardez ça! Voilà, mettez ça. Voilà, comme Madonna. Ah, merci, vous avez toujours des idées incroyables. C'est vrai, hein, vous éveillez en moi quelque chose. Mais bon, Blondine, la conférence de presse, c'est après le concert. Bon, alors faudra m'excuser parce que la Corée peut encore... Mais ne te justifie pas tout le temps, je t'ai dit 100 fois, fais les choses, fais les choses. D'accord. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Mais je suis pas avec. Bon, je recommence. Ah ouais. Blondine M. Je suis seule dans le noir, je navigue au hasard. Je veux sortir du brouillard, je n'ai qu'un seul espoir. J'ai parfois la frivole, je raconte mes belles bagoles. Mais j'ai rien d'une cagole, je croque la vie sans bémol. Et si mon prince vient pas, je pars au Punta Cana. Là-bas, je vous indique qu'il m'aimera. Et je lui ferai trois enfants dans une hacienda. La mort a attitude. Attitude.
que tu désires, assurément. Qui te fait plus d'effet qu'un d'effet ralgan. Bien sûr, la Corée pas en entier, quand même. Allez, une petite poule et dodo. Voilà, c'est ça. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Franchement, prends pas l'ouvre avec moi. Franchement? Ouais. C'est bien. C'est bien. Non, je veux voir ça avec la Corée, tout le truc, là. Non, mais ça va, laisse tomber, ça va. Ça mais va, non, ça mais va. Non. Moi, j'ai trouvé ça formidable, Blandine. Ah, merci beaucoup, vous êtes très gentil, Pierre. C'est pas gentil, hein. Vous avez un véritable organe. Oh, mais vous aussi, Pierre, vous aussi. Ça a de la gueule, non? Sérieux? Bon, tu sais, moi, la musique, j'y connais rien. Enfin, y a un truc dans le fond, tu sens pas? Très au fond, alors. Ah, oui, mais sérieusement, tu veux pas que je te dise ce que j'en pense, parce que... Dégage. Mais bon, Blandine, c'est quoi ce dernier couplet sur les feralgans? C'est n'importe quoi, ça, hein? Eh ben, quand t'étais pas là, l'enregistrement, j'ai improvisé, voilà. Oui, ben, l'avenir évite ça, s'il te plaît. Ah ouais, pourquoi? Mais parce que les feralgans, c'est médical, c'est allopathique, ça fait pas rêver les gens, et surtout, c'est pas moi qui ai écrit ça, tu vois? Eh ben, moi, les feralgans, ça me fait rêver, moi. Oh, puis ne discute pas écriture avec moi, tu veux? Et qu'est-ce que tu fous avec ces putains de chaussures, hein? Ça fait une heure que tu les ouvres et les refermes. Ça va, t'as compris comment ça marche maintenant? Mais quoi? Mais c'est Pierre qui m'a dit qu'il fallait que je les fasse, pas vrai, Pierre? Absolument! Ah. Être bien dans ses pompes, c'est être bien dans sa tête. Il est important, et vu le temps passé sur les skis, que les chaussures s'adaptent parfaitement aux pieds. Vous devez être comme dans des chaussons, voire des mules. Il faut qu'elles fassent corps aux pieds. Attention, hein! Je ne dis pas qu'elle doit lui provoquer les corps aux pieds. Non. Mais elle doit s'y sentir bien, hein? Et comment ça me plaire, Frison Roche, moi? Oh, Blandine, tu te donnes un spectacle. Les gens nous montrent du doigt, t'es ridicule. Oh, Francis, ça va, lâche-la un peu avec ses chaussures. Si elle doit les faire, qu'elle les fasse, t'es un vrai tyran. Oh, bah doucement, Blandine, c'est pas la piste aux étoiles non plus. C'est vrai, quoi, c'est du parquet en Palo-Australie, ça vaut une fortune. En tout cas, c'est fou de voir la liberté d'expression qui règne dans ton couple. Francis, tu incarnes la tolérance même. Mais bien sûr qu'il y a de la liberté d'expression et de la tolérance dans mon couple. Mais je suis contre tolérer la liberté d'exprimer des conneries sans intérêt, tu m'excuseras. Tu sais à quoi tu me fais penser? Non, mais vas-y, je t'en prie. Un petit chef à gourmette. Un pseudo-dictateur d'opérette. Ah oui, oui, parce que toi t'es une femme de tête, une meneuse, hein. Tous les hommes sont des cons, c'est ta devise. Mais moi je crois que t'as un problème, Cookie, et qui date pas d'aujourd'hui. Je comprends pas. T'as un problème avec les hommes. Je comprends toujours pas, tu peux être plus explicite parce que là... Oui, je vais être très explicite, t'as un problème de frustration avec les hommes en général, voilà. Tu comprends toujours pas? Oh, Montagnard! Oh! Tu devrais essayer de vivre avec une femme, vu que nous sommes trop cons pour vous comprendre. Eh bien, justement. Quoi, justement? Ah oui, quoi, justement? Bon, bah, accouche maintenant. Hein. Quoi? Bon, Blandine, c'est pas le moment, c'est pas à toi qu'on parle, hein. Ouais, attends, Cookie, tu voulais en venir où? Je vis avec une femme depuis 2 ans. Pardon! Je ne sais pas encore si vivre avec une femme, c'est mieux que de vivre avec un homme. En tout cas, c'est différent et plus constructif. Et je dois sincèrement remercier des hommes comme toi, Francis. Comme toi, Tom. Grâce à vous, j'ai découvert ce que c'est que d'être aimé par un être humain. Un vrai, avec le flot de tendresse et d'émotions qui sont, mais alors, à des années-lumière de vos médiocres préoccupations, messieurs. Vous avez des questions? Non. Non. Bon, bah très bien, je vais me coucher parce que si j'ai bien compris, on se lève tôt demain. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Alors là, non, mais bravo! Mais bravo, t'as entendu, c'est ta faute! T'as décroché le pompon, toi! Ah ben, c'est pas un jeu, hein? Peut-être qu'à cause de toi,
Moi aussi, je vais devoir vivre avec une femme. Bonsoir à tous. Bonsoir, Olivia. Bonsoir. Eh ben, les Alpes, c'est mort, et les Pyrénées, c'est Brood Break Mountain, hein. Sinon, toi, Stan? Ah, mais Stan, rien du tout, j'ai pas été nominé, moi, donc... Enfin, je sais pas, quoi. Si tu sais pas, tu te tais, Francis. C'est vrai, t'es tellement au-dessus de tout ça, toi, hein. En même temps, on est à la montagne, donc au-dessus, c'est pas non plus. N'empêche, Blondine a raison. Hein. Bravo, Francis. Ça, je dois dire qu'au niveau du tact, hein. Et quoi, bravo, Francis? Qu'est-ce que j'ai dit? Quel tact? Et puis, c'est autant ta faute que la mienne, hein, si t'as bien écouté. Bon, bah, ça va, hein. On va pas en faire une montagne. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il a fumé un carambar au choyard? Non, je le crois pas. Cookie, brouteuse de tout. Oh non, ça va, ça va. Ça, c'est le gros gâchis, quand même. Bon, ben, je crois que tout a été dit. Moi, je vais me coucher. Voilà. Quoi? Je vais me coucher. Ça te pose un problème à toi? Non, bonne nuit, Francis. Attends, ouais. C'est tout ce que tu trouves à dire, là? Je vais me coucher. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en ai rien à foutre, moi, de la vie sexuelle de Cookie. Ça va changer ma vie, ça va changer la tienne. Non, bois l'emmerde. Eh, oh, 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 oh. Ça va, quoi? Pas la peine d'agresser Francis, hein. Cette nouvelle laisse visiblement personne indifférent, mais chacun est libre de mener sa vie à sa convenance, non? Excuse-moi, Stan, ton attitude est détestable. Ah ouais, t'as peut-être des problèmes dans ta vie, je sais pas, je m'en fous. Ah, merci. Ah oui, mais je sais pas, c'est pas la peine de passer tes nerfs sur nous, quoi. C'est facile et c'est... Pas très chrétien. Ouais, pas très chrétien. Alors, je sais pas, si t'es venu pour nous pourrir le week-end et faire chier... Enfin, putain, Stan, ce que j'ai de te dire, c'est que tu devrais... C'est que je devrais quoi? Ouais, bon, bah dis-lui. Ah ouais, dites-lui, parce que là... Bon, Stan, tu le bois, c'est là de l'amitié. Bon, ouais. Alors je te remercie, Tom, mais ta prune, elle m'a fracassé la tête. Et ça, je dois dire qu'elle est goulue, l'agneau, là. Allez, Stan, un dernier verre. Bon, alors vraiment, parce que c'est le verre de l'amitié, hein. Voilà. Tiens, fais le tango des ratatouilles. Voilà, je peux aller me coucher maintenant. Bonne nuit, Stan. Réveille. Cinque. Putain, c'est télématin. Hein. Oh, s'il te plaît, Francis, arrête! J'ai pas envie de l'entendre. Il l'aime encore, c'est tout. Mais de quoi tu parles? De quoi je parle? Stan, il aime Cookie depuis le premier jour. Ah, d'accord! Ah, d'accord! Il débarque l'autre. Non, parce que c'est vrai que mon histoire avec Cookie, c'était... Ouais, c'était... T'as rien de sérieux? Ouais. Bon, on était jeunes, toi. On a tous été jeunes. Eh ben, dis donc. Heureusement qu'il a pas appris ma liaison avec Cookie, hein, ça l'aurait achevé. Ah ouais, ça... Quoi? T'as eu une liaison avec Cookie? Non, enfin, une liaison, c'est un bien grand mot, hein. On était surtout bourrés. Ben, dites-moi, elle était chaude comme la braise, la garce, hein. Elle en a déroulé du cop, la Cookie, hein. Qu'est-ce que vous dites, vous, là? Non, mais... Je veux dire, quelle Cookie, alors, c'est Cookie. Ouais, bah, faut dire ça, alors. Ouais. Eh, dis donc, toi. Dis-moi, c'était quand ce flirt avec Matari, là? Ouais, ça va, Tom, t'es mon pote, je t'aurais jamais fait ça. C'était un soir comme ça, t'étais plus avec elle, hein. Enfin, je crois. Tu t'es tapé Cookie. Avec ta gueule. Et tu m'en as jamais parlé, je suis vert. Mais non, enfin oui. C'était rien, pareil pour Céline Ronsard, d'ailleurs. Bah, tu t'es tapé aussi Céline Ronsard? Et une fois, une petite fois pour un petit souvenir, hein. Et puis ça va, Tom, ouvre les yeux. Tout le monde est passé sur Céline Ronsard. Peut-être pas tout le monde, en fait. Je ne crois pas, quelle salope! Pas toutes des salopes. Je suis pas vrai, pas toutes. Moi, j'ai connu des femmes droites,
rigide et intègre comme des i. Vous êtes fatigué à dire n'importe quoi, vous, hein? Qu'est-ce qu'on disait? Il est pénible, il me fait perdre le fil à chaque ouais, fois. Ouais, ça va. Faites pas aux têtes de cochon, hein. Mais le plus important, croyez-moi, c'est d'être en vie, avoir des amis fidèles et puis être en bonne santé. Stan, tout de même, j'aurais jamais soupçonné. Il cache bien son jeu, le con, hein. L'homme qui cache son jeu cache le jeu de l'homme lui-même. Il s'est jamais livré. Il a jamais osé lui dire. Pourtant, maintenant que tu me le dis, c'est évident, il suffit de le lire dans ses yeux. C'est vrai, ça. L'œil, dit-on, le miroir de l'âme. Ça s'appelle la pulsion scopique. Dites-moi, vous allez faire un commentaire à chaque phrase, vous? En tout cas, moi, je trouve ça stupide de rien lui dire, hein. Si je peux me permettre, il a surtout subi un choc émotionnel violent avec cette révélation. Ah oui, parce que vous, ça vous choque pas? Oh, mais vous savez, je n'ai pas les mêmes affinités que vous avec votre amie, hein. Je la connais à peine. Oui, c'est vrai. Mais toi, Tom, tu la connais mieux que quiconque, ou qui t'es pas choqué, hein? Oh, Tom! Quoi? Alors toi, tu t'en fous, en fait, hein. T'envoies des textos à des poufs et tu t'en fous, finalement. Mais tu commences à me courir, Francis. La pouf, c'est ma sœur et elle t'emmerde. Il fait quoi, le pistard, là? Il cherche une niche. Et dis-moi, toi, ça change tes sentiments pour elle? Non? Bon, rassure-moi. Non, non, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut avec son... Enfin, en l'occurrence, avec ça. Mais quand même, tu vois... Comment ça se passe, le minibar? Et dis-moi... Dis-moi, toi, si je t'annonçais là comme ça que je suis pédé, ça te poserait un problème? Non. Parce que t'es... À ton avis. Et si je peux me permettre, monsieur Francis, hein, et c'est la différence qui vous gêne. Le fait qu'elle appartienne à une marque... Bon, Charlene Gals, vous voulez me faire plaisir? Bien sûr, hein. Courez chez madame Olson, me chercher du Doliprane, vous m'avez mis la tête comme un compteur, là. Bon, je suis un petit peu chamboulé là, puis j'ai la tête en vrac. Alors je vais te coucher, tu m'en veux pas? Et après le même, vous êtes tout excusé. Mais c'est pas à vous que je parle! Et surtout, faut que j'aille vérifier si Cookie est pas en train d'essayer de grimper Blandine. Eh, hey, bonne nuit, Francis. Profite de la vie, respire, fais un break. N'en veuillez pas, Francis, Charles. Enfin, Pierre. Il est un peu secoué par la nouvelle, mais. Mais il a pas mauvais fond, hein. Ouais, bien sûr, je sais bien qu'au fond, il a pas mauvais fond, dans le fond. Ouais, enfin, il a grimpé Cookie et Céline Ronsard, quand même. Un vrai maillot à poids, hein. Ah bah, on s'en fout, hein. Eh bien sûr, on s'en fout, hein. Et sinon, sans amuser, monsieur Tom. Non, Tom. Seulement Tom. Vous allez y arriver avant la fin du week-end ou je vous fais imprimer un t-shirt? Je prendrais bien une lichette de petite poigne, moi. Ouais, bah, faudrait pas en abuser, hein. Parce que déjà, vous m'avez fait un petit crépi derrière le bar. Mais ça, c'est le joint chi qui m'a... Qui ça? Le mélange joint chouchi. Vous poussez bien la prune. Et puis, vous savez, l'alcool n'est pas incompatible avec la montagne. C'est même conseillé en cas de coulis. T'es au mieux éviter d'être rond comme une queue de pelle pour l'affronter, quand même. Bon, allez, ah, d'accord, allez, un petit dernier pour la route. Allez, santé! Mais pas des pieds! Non, finalement, je vais y aller, Pierre. Allez, bonne nuit! Allez, on s'en va! C'est... Ah non, non, non! Allez, si, on s'en va! Ah, s'en va sans bien! Allez, on s'en va, ce qu'on a! Bon, alors, vite fait, alors, voilà. Voilà. Dites-moi, Pierre, comment la météo pour demain? Alors là, la météo est nos problèmes, ouais. Ah oui. Beau fixe! Une journée bénie des dieux! Ah, fort, je me réjouis, je me réjouis. Moi aussi, je me réjouis, vous êtes tous très sympathiques. Et puis, je trouve qu'il y a une réelle osmose. Oh, merci, mon Pierrot. Ça me rappelle le Québécois. J'étais spécialiste dans le Québécois. Et le Québécois, c'est un petit fromage à croûte. Bonne nuit, ma croûte! Alors, aujourd'hui, vous parlez du Québécois, un Polonais. Ou un Hongrois. Ils sont en faute du Québécois. Avec l'Europe, le Québécois, c'est foutu. Mais il faut fermer sa gueule sur ses mauvais.
bonjour à tous. Pourquoi faire ? Pour faire une sarsata ! Pour allumer la bougie à ton avis ! Eh ben non, parce qu'il me reste qu'une allumette. Eh ben t'as pas un briquet ? Non, sinon je te le donnerai. Eh ben donne-la moi. Et comment j'allume mes clopes ? Mais avec la bougie ! Putain, t'en as pas marre ? Tu sens pas que ça te bouffe à l'intérieur, là ? Ça avait été moins con bien avant ! Mais qu'est-ce que tu parles, là ? Bon, écoute, donne-la moi, là. Donne-la moi. Ça va, Tom ? Hein ? Ouais. Ah, c'est pas la canicule. Les Alpes, c'est mort, mais les Pyrénées, c'est pas gagné. Ouais, alors on va faire quoi maintenant, gros malin, hein ? Ah, ça va, Stan, t'as donc tout traumatisé. On va s'en sortir, hein ? Bon. Hé, hey, Primo, personne n'est blessé ? Non ? Bon. Deuxio, vous savez quoi ? Je vais tenter d'avoir du réseau. Bon, laisse tomber, j'ai déjà essayé ça, figure-toi, hein. S'il te plaît, Cookie, le mien est semi-satellitaire. Allô ? Oui, oui, bonjour. Oui, c'est Tabacin à l'appareil. Oui, oh, vous avez une voix charmante. Ça, c'est pas le moment, là. Oui, 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 non. Non, je suis avec des amis. On est coincés dans un refuge. Yes. Oui, proche de la crête de l'ours. Voilà, il faudrait vite nous chercher. Oui, parce que j'ai mon ami Charles qui a mangé un steak trop cuit, il a une chasse d'enfer, on a plus de papier pour... C'est vraiment trop con, c'est pas possible. Ça va. Allez, bon, il faut se calmer, hein. Réfléchir et rassembler les points positifs. On est ensemble, on est en vie, on est soudés, hein ? Ouais, ça c'est positif. Oui, ça c'est des conneries, ouais. Mais non, tout ça. Et en plus, je suis persuadé que Francis a déjà rejoint la station et alerté les secours. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas, Bougie ? Non, ça va pas, non. Bon, j'ai les jambes en glaçon, les oreilles aussi, j'en ai ras-le-bol. Hein ? T'inquiète pas, ça va aller. Et toi, ça va, mon vieux ? À ton avis, mon vieux ? Bah, je sais pas, quoi. Ça va pas ? Ah bah non, ça va pas, parce que moi, je voulais pas venir, de toute façon ! Je vous ai bien prévenu que le temps, il était couvert, non ? Seulement, vous avez préféré quoi ? Le guide diplômé des Appalaches. D'ailleurs, il est tellement bien diplômé, le guide qui s'est paumé. Alors, on sait pas où, hein. Alors, dans la montagne ou dans ses diplômes, on sait pas, une chose est sûre, il est paumé ! Alors, je t'ai voulu tester la fiabilité de tes amis. Personnellement, je me serais contenté d'un petit café au Jean Jaurès. Ça n'aurait en rien affecté notre amitié. Hein. Alors, mais le problème, Tom, c'est que tu vis dans ta bulle, noyé dans ton milliard. Tu crois que tu peux tout acheter, et ben tu vois, les emmerdes, c'est toujours gratuit. La porte ! Regardez qui nous arrive, Belle et Sébastien. En tout cas, bravo Pierre, vous avez été formidable dans cette épreuve. Ça va les amis ? Pas trop froid ? Quelle journée, hein ? On n'a pas eu de difficulté à trouver refuge ? Non pour les mots ? C'est bien. Mais Tom, ça nous change du rythme, ça. Chut ! Il faut faire attention à ne pas faire trop de bruit ! On est juste en dessous d'une corniche, prête à partir en coulée. En tous les cas, nous sommes tous sains et saufs et je vais prendre les choses en main en ce qui concerne notre survie, hein. Je suis très croyant, je m'appelle pas Pierre pour rien. Vous savez que Saint-Pierre était considéré comme un sauveur. Oui, alors moi je crois qu'il nous manque un tonneau de rhum autour du cou, quelques poils, et puis savoir aboyer pour incarner plutôt Saint-Bernard. Ah, c'est amusant ça. Ah oui, parce que moi je suis un bout en train et encore là j'improvise. Ah, putain. Ah, putain. Ah, putain. Ah, mais c'est pas vrai, ils vont faire piquer ce type. Il y a un problème, mais c'est là. Ah, non, bon, écoutez, vous le provoquez pas non plus, hein. Oui, vous, ça va bien, hein.
J'espère au moins que vous savez où on est. Alors je te préviens que s'il répond à la montagne... En fait, je dois vous faire un aveu, monsieur Tom. Non, monsieur Klein. En fait, quoi? En fait, je vous ai un peu menti, monsieur Klein. Voilà, j'ai remplacé Michel Saint-Félix qui s'est blessé au dernier moment. Mais il va mieux maintenant, hein? Une simple foulure bénigne, rien de grave. Attendez. Mais. Voilà, c'est moi qui vous ai parlé au téléphone. Ouais, je sais ça, oui. J'étais permanent sous standard. Ouais. J'ai sauté sur l'occasion. C'est super, Pierrot, faut être opportuniste dans la vie. Oui, faut toujours saisir les opportunités. Oui, merci, Tony Blandine, c'est bon, oui. Et alors, vous, quelle occasion? Ben, voyez, cette randonnée avec vous à la crête de l'ours, oui. C'était pour moi comme un défi à relever, hein, un challenge. Mais attention, hein, j'ai toutes les compétences requises, hein. À l'examen des guides, j'ai eu tout mon tour. Eh ben, bravo, Pierre, bravo, on est content. Sauf que j'ai ripé sur la météo. Ça veut dire quoi, j'ai ripé sur la météo? J'en suis pas fier, mais j'ai eu zéro. Et zéro, c'est éliminatoire. Désolé, Pierre. Attendez, vous avez eu zéro en météo, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute? Ah ben vous savez, à cause des faux hasards de la vie, j'ai souvent fait les mauvais choix au mauvais moment. Oui, en fait, Tom, ce qui t'explique, c'est qu'il n'est pas guide du tout. Voilà. Ah, tu vois qu'il en a envie un petit peu, quand même, on n'est pas... Mais arrêtez de vous battre! On n'est pas au Tibet, quoi, merde! Bon, écoutez, Pierre. On est tous un petit peu à cran, mais il faut dire que vous tournez autour du pot comme une mouche à merde dans le lait. Alors, effet, mon Pierrot, on l'a fait maintenant, hein. C'est ma première sortie en ski extrême. Vous m'excusez, hein. J'ai une petite envie pressante. Vous m'excusez, hein. Je vais aller crever un coup de pompe. Oh non, mais non, j'espère que Francis va pas se perdre parce qu'il a pas le sens de l'orientation. Moi non plus, vous me direz, mais je m'en sors beaucoup mieux que lui en général pour tout. Attends, pourquoi tu me parles? Tu n'as pas d'amis? Non! Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous allez faire quoi, là? J'ai l'intention d'allumer une cigarette. Avec cette bougie? Oui, j'ai sacrifié ma dernière allumette pour cette bougie. Mais faut pas faire ça, pas avec la bougie, autrement vous allez tuer un marin. Il paraît que quand on allume une cigarette et qu'une bougie, on tue un marin. Moi, je n'ai rien à foutre, je connais pas un seul de marin, et puis à cette altitude, je peux pas en croiser un, quand même. Vous savez à quoi vous faites penser? Non, parce que j'ai lu un article de fond sur la méchanceté de Freud dans Gala. Sigmund dans Gala. Non, pas Sigmund. Freud. Freud, le médecin de la tête du 16e siècle. Eh bien, je suis sûre qu'au fond, vous n'êtes pas si méchant, c'est vrai. Vous êtes malheureux parce que vous êtes seul, c'est tout. Si vous étiez moins méchant, vous seriez moins malheureux, donc moins seul. Elle a raison, Cookie, hein, mais ça, avant que vous le compreniez, c'est pas gagné. Hein. Excuse-moi, tu prépares un championnat du monde ou quoi, toi? On n'a plus de faim! Ouais, mais moi, j'ai sauvé un marin, moi! Attention à la tête! Qu'est-ce qui s'est passé? Ne paniquez pas, Blondine! Non, mais je ne panique pas, Pierre, alors là. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Blondine, calme-toi! Chut! Mais je suis calme, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais calmez-vous, Blondine, on est sur le coup, là! Mais je suis calme! C'est vrai que t'es excité comme des beignets, là! Oh. Parfait, ne le bougez plus! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quoi, Tom, là? Hein? On a retrouvé Francis dans une crevasse! Apportez-moi mon sac, il doit y avoir la bouteille de prune dedans! Oh! C'est à moi qui parle, Manu Chao, comme ça, faut calmer le jeu très vite, d'accord? Je ne comprends pas, lui, il a fait ma prune en plus!
Tiens, toujours pas de réseau, ça sert à quoi de faire des pubs à la con, ça passe partout, alors que ça passe nulle part. Ah, en fait, vous êtes comme tout le monde, quoi. C'est vrai, moi je vous trouvais irrésistible, hein. Mais là, vous voir pas quand j'ai dans la chromoon. Et de quoi me parle, là? Hé, pourquoi il pue comme ça, là? Bon, écoute, je la fais courte, hein. Pierre a pissé sur Francis et on le retrouve déjà, là. Bravo, Pierre, vous êtes mon héros. Je n'ai rien, je n'ai fait que pratiquer les rudiments de base des premiers secours en haute montagne. Ah oui, ça consiste à pisser sur tous les blessés qui traînent. Et à propos, Blandine, comment vous coquez? Ah ben, j'ai l'os de la rotule qui vire au bleu, là. Ah ben, je vais vous masser. Ah merci, vous êtes très gentil, Pierre. C'est normal, hein? Avec vous, on a envie d'être gentil. Ouais, ben dites ça à Francis. Je vous fais mal, là? Non, c'est parfait. Vous avez des doigts habiles, voilà. Vous avez des doigts habiles! En plus, c'est génial, il en a 10, c'est super, hein? Oh, ça y est! Alors, comment vas-tu, mon Francis? Ah, j'ai mal. Je crois que je suis paralysé, là. Allez. Ah, si, j'ai un truc cassé, c'est sûr. J'ai dû me péter l'os du dos. Mais arrête de dire n'importe quoi, t'as rien du tout. Ah oui, parce que t'es ostéopathe, toi? Ah, tu vas mieux, déjà. Mais non. On est où? Au refuge. Ah, j'ai été attaqué par un cougar, je crois. Oui, probablement, il y en a plein cette saison. Oui, il cherche la femelle. À propos, où est Blandine? Blandine! Oh, mais je suis là, j'attends, t'es réveillée. Ah, mais arrêtez, Pierre, vous faites des papouilles, là. Nom de Dieu, vous, qui c'est qui vous a autorisé à poser vos pieds sur les mains de ma femme? Enfin, je veux dire l'inverse. Non, mais Francis, arrête d'engueuler ce pauvre Pierre. J'ai skié tout l'après-midi avec deux pieds gauches, c'est pour ça que je tombe à chaque fois, je tourne à droite, alors... Absolument, hein! C'est le vendeur, c'est emmanché, il s'est bourré! Ouais, bon bah ça va mieux maintenant! Alors tu remercies le type du tocard là! Je suis parfaitement capable de m'occuper de tes pieds! Et oh, Kébélec, j'ai un peu merdé, d'accord! Mais faudrait voir à me parler poliment et avec respect, hein! Parce qu'à force de vous écouter, je pourrais finir par vous trouver désagréable! Et je pourrais durcir le ton! Voyez l'esprit? Ça sent le coyote! Avec un fond de prune. Pas léger, hein. C'est quoi cette odeur? Hein? C'est rien, c'est le Saint-Bernard de service qui t'a pissé dessus. Non mais t'inquiète pas, c'est une tradition locale ici. Alors mon content de ploter ma femme, ce ploup se soulage sur moi. Écoute, tu devrais le remercier, il t'a sauvé la vie quand même. Hein. Bien sûr, je vais le remercier de m'avoir pissé dessus. Oui. Parfaitement! Putain, j'ai gagné! Je vais en faire du tartare breton, moi, les écrivains, hein. J'ai été champion interarmé, tout à l'équipe, en mémouche. J'en bouffe ça, mais comme leur pilège, avec le peignoir, le chasse élégant, hein. Oui. Oh, mais ça va pas, non? Je suis désolé, j'ai vraiment pas vu exprès. On se demande un petit peu, quand même, hein. On a tous été témoins oculaires de ce qui vient de se passer, là. Blandine, il faut arrêter les séries télé à la contre. Allez. Donnez-lui de la prune, hein. Non, c'est bon, il revient à lui. Oh. Ça va, Tom? J'ai pas rêvé, il m'a mis KO, ce con. Je suis désolé, monsieur Clown. J'ai la cloison déviée, je crois que je parle un peu du nez, non? En tout cas, merci, hein, bravo. Vraiment génial le week-end, Tom, hein. Tu dois prendre ton pied, hein, les milliers de tes amis. Allez voir patauger dans la mer. Ah, merde, tiens. Le malheur des autres, c'est ta principale source d'inspiration, non? Ça peut te donner des idées pour ton prochain site, non? En tout cas, si t'as pas de titre, pour toi, j'en ai un tout trouvé. Dans la merde, point que... Bon, tu commences à nous saouler, madame Francis, hein. T'es venu pour quoi, toi, exactement? T'es venu parce que Tom est ton ami ou parce que t'es au bord du gouffre? Ah non, excuse-moi, c'est vrai. Tu tiens le disque d'or de l'année entre tes mains et tu viens lui emprunter du fric, en fait, pour lui rendre service, c'est ça? Mais quel gouffre, tu rigoles, hein? Et toi, t'es venu pour quoi, là? Coquille la rebelle, coquille la moraliste, coquille la femme indépendante et intègre? Ta petite copine n'a plus d'équipe pour s'acheter de l'herbe, c'est ça? Elle est en panne d'inspiration, là, pour pondre vos dialogues chiants de films de brouteuses que personne ne verra jamais, d'ailleurs! Non mais oh, tu peux pas fermer ta grande gueule un petit peu, toi, oh! Tom est mon ami, fait ce qu'il peut pour ce week-end, t'arrête de lui parler comme ça, d'accord? Puis je t'appelle pas la cookie sur ce tour, là, mais c'est vrai, de quoi tu te plains, toi? T'es en bonne santé, t'as un travail qui te plaît, une femme qui t'aime! Arrête un peu de t'en regarder de l'ombril et observe le monde autour de toi! Et surtout, occupe-toi plutôt de ta femme! Eh oui! Sinon, tu vas encore la perdre. Bon bah ça va, tous les deux, arrêtez de vous engueuler. Hein, j'ai pas besoin d'avocat, j'en ai plein mon répertoire. On va s'en sortir. C'est pas écrit qu'on va tous mourir de froid dans ce gourbi. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est bien joli tout ça, mais nom de Dieu, j'ai quand même failli finir au fond d'un raval, hein. Mais bon, ça, on va finir par le savoir. Mais c'est vrai, arrête, là, tu t'épuises et t'épuises tout le monde, tu vois pas? Ah, c'est un complot, c'est ça? Vous êtes tous ligués contre moi, c'est... Oh, arrête, toi,
Voilà, c'est servi. Et comme on dit ici, la pasca de chunga es como un caballero. Waouh, ce qui veut dire? Ça, je sais pas, mais ils le disent ici. Bon, écoutez, si nous pensons à toast, trinquons tous ensemble à la montagne, à ses caprices, à la famille et aux enfants. C'est important, les enfants. Qu'est-ce qui vous arrive, Pierre? Ma femme a demandé le divorce il y a 8 mois. Tu penses, elle est pas con. Elle a eu la garde de mes 3 enfants. Ça fait 6 mois que je les ai pas vus. Oh là là, c'est germinal maintenant. Je sais plus où me mettre. Tiens, je vais me mettre là. Mais monsieur Klein, j'ai raté tout ce que j'ai entrepris toute ma vie. Mais non, Pierre, allons. Allons, voici ses cours. Non. Mais allez. Non, Pierre, allez, mais non. Bah, évidemment, non, Pierre. Là, vous avez bien merdé, mais. C'est pas un raté. Mais si, mais si! Cet abruti nous a foutu dedans et profond, c'est un raté! Y'a même pas à discuter, c'est un fait, c'est tout, c'est dans son ADN, au mec! Ah, ne l'écoutez pas, Pierre. Tout le monde est un peu à cran en vue de la situation, mais personne ne vous en veut. Mais si, mais si! Attends, mais moi je veux les élèves! Oh, vous êtes tous super! Vous avez de la chance d'être aussi bons amis! Ah, oui, c'est là, ça, oui. En tout cas, c'est terrible de pas avoir ses enfants. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as des enfants? Le jour où t'auras des enfants, on en rediscutera. Chaton! Il faut que je te dise quelque chose. Si jamais j'étais enceinte, bien sûr, c'est qu'une supposition, hein? Tu dirais quoi? Mais tu te fous de moi? Avec la sortie du single, la promo qui va suivre, la tournée internationale, tu peux vraiment pas te le permettre. Aïe! Mais ça va pas bien, oh! Attends! Oh! Mais laisse-la, laisse-la, elle fait sa star, elle fait son intéressante, c'est une comédienne! Elle travaille ses sorties! Dans 2 minutes, elle va revenir morte de froid, tu vas voir! Mais dis-moi, quand est-ce que tu vas te rendre compte à quel point t'es nul? Eh, pourquoi tu me dis ça, toi? Pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Parce que Blandine est peut-être enceinte, voilà pourquoi je te dis ça! Enceinte? Mais de qui? Mais t'es con, quoi! De toi? Tu veux dire qu'elle va avoir un bébé? Oui. Oui, c'est ce qui se passe quand une femme est enceinte. Hein. Alors qu'est-ce que t'attends pour courir et t'excuser? Merci d'avoir choisi les Velvet Club et bonne soirée! Mais dis-moi, Cookie, tu le sais depuis quand, toi? Elle a fait un test hier, il est parti dans les toilettes. Dans mes toilettes? Allez, allez, allez. Ça va, Cookie? Non, ça va pas, non. Si je peux me permettre, la température va chuter. Faut se préparer à passer la nuit ici, hein. Faut aller chercher de quoi faire du feu. Ouais, et puis si on trouve rien, bah on brûlera le banc. Hein. Oh, c'est pas con, ça! Vous voyez pourquoi j'ai la main con, hein? Ouais! Non! Faites quand même super gaffe avec moi, Pierre. Ah, c'est ça, c'est ça. Allez chercher du feu, vous êtes pas au courant, mais il y a la nouvelle tare qui a soufflé la bougie, quand même. Stan, j'ai trouvé ça vraiment bien ce que tu as dit tout à l'heure sur Tom. Oui, je sais pas, sorti tout seul, hein, pof. Mais tu le pensais? Bah, évidemment que je le pensais, Cookie. Stan? Ça tombe bien, c'est moi. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu fais pour le jour de l'an? Ah, mais je fête plus la bonne année, moi. À chaque fois que je l'ai fêté, c'est enchaîné d'années de merde, donc depuis 5 ans. On va dire que je m'abstiens. Et alors, depuis? Ça va pas mieux, mais j'espère pas qu'un jour ça va mieux. Hein. On travaille dessus, les packs juifs, tout ça, voilà. Pourquoi tu me demandes ça? Non, parce que je me disais... Enfin, ça m'aurait fait vraiment plaisir qu'on le passe ensemble. Oh, tous les deux. Pourquoi? Non, c'est pas grave, lâche l'affaire, j'ai dit ça comme ça. Ah non, 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 mais c'est juste que c'est ma surprise, tu comprends? On est que le 22 février, le réveillon c'est dans 10 mois, je planifie pas les choses. Oui, c'est pas grave. Voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé. On a 2 grandes nouvelles à vous annoncer. Une que vous connaissez déjà, c'est que je vais avoir... Qu'on va avoir. Oui, je vais avoir un... On va avoir un fils. Enfin, un bébé, quoi. Bravo. Si le test de Blandine est fiable. Sinon, t'achètes un chien. Hein. Oh, bah non, c'est pas pareil, quand même. Non, c'est pas pareil. On l'appellera Arthur. Ah bon? Ou Zinedine, voire Brandon.
Bon, on en reparlera. Oui, parce que c'est pas terrible quand même. Ah, attendez, attendez, si c'est une fille. Ah. Pourquoi veux-tu que ce soit une fille? Eh ben, moi j'ai eu 3 filles. Hein. Mais vous, justement. Eh ben, moi, si c'est une fille, j'ai pensé à Cookie. Eh. Oh. Là aussi, il n'y a rien de définitif. Hein. Quoi, ça te gêne? Non, mais non, ça me fait plaisir. Mais. En fait, tu vois, Cookie, en fait, c'est un surnom. Hein. Mon vrai nom à moi, c'est Brigitte. Ah bon? Mais, ben oui. Et son nom de famille, c'est Bordeaux. Alors, oui, j'ai Brigitte à Bordeaux. Et sinon, vous parliez d'une autre nouvelle? Oui, elle nous concerne. Le brouillard s'est levé, la tempête est finie, on peut y aller là. Non! Oh yes! Oh yeah. Bon, Cookie. Tab. Ouais. Je voudrais m'excuser parce que parfois, il m'arrive d'être un peu plus con que prévu. Et... Oui. Non, non, pas que parfois. Hein. Enfin, bref. On fait une croix sur le passé. Allez, c'est bon. Ouais, ça baigne, Francis, ça baigne. Bon, on fait aussi une croix sur les 250 000. Bien sûr, je comprends. Yeah. Mais je déconne. Bon, alors la station, elle est là, elle est à 350 mètres, la station. Il faut y aller avant la tombée de la nuit. Je reconnais maintenant. C'est l'arrivée des téléskis. Ne touchez pas, ne touchez pas. La station est quasiment à côté. Les amis, nous sommes sauvés. Eh, ben c'est pas le cas de tout le monde, hein. Eh, Francis, on se tutoie maintenant, hein. Si tu veux, on laisse les filles se débrouiller, et je te propose, le premier arrivé en bas, 200 euros. Pourquoi? T'as pas touché le fond encore? Apparemment, je suis pas le seul. Bon, Blandine, je descends avec l'autre, là. Tu descends avec Cookie? T'attends en bas, je te prépare du chocolat. Oui, bisous, chaton. Hé, hey, Cookie, tu sais ce que j'ai remarqué? Non. C'est que Cookie et Caro, ça commence tous les deux par un C, et Brigitte et Blandine par un B. Hey. Ça veut dire qu'on est copines! Oui, probablement, oui, c'est sûr. Attends, attends. Qu'est-ce que t'as à me regarder avec la tête de Bob l'éponge, toi? Eh hein, je me disais qu'il serait temps que tu lui parles. Là, les murs, Cookie, là. Oh, les murs, Cookie, oh, toi. Quoi, tu comptes laisser échapper la femme de ta vie à chaque fois? Le problème, c'est que la femme de ma vie est en main avec la femme de la sienne. Enfin, je dis ça, je dis ça. Je dis ça, je dis rien. Enfin, je voulais juste te dire que je suis fier d'être ton pote. Mais moi aussi, je suis fier d'être ton pote. Qu'est-ce que c'est que ce cérémonial à la con, là? Et puis, hein, bon, ça va, basta. J'ai oublié un gant. Bon, bah, il est là, pour lui. Ah, oui. Bon, bah, à tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? T'as l'intention de t'installer ici? Ah, oui, j'attends l'architecte, je compte placer une mezzanine, là. Ou là. Ah, ouais, super, ça prend de la place. Attends, attends, Cookie, Cookie, il faut que je te parle d'un truc, là. Tu sais, ce dont tu m'as parlé tout à l'heure, là, le truc qu'on fête en fin d'année avec des cotillons, des chapeaux, les gens sont contents, on fait la fête, et puis pas c'est... le jour de l'an, quoi. C'est exactement ça, le mot des chapeaux. Tu sais quoi, j'ai dit, ça, vraiment, il faut pas que ça te prenne la tête. Non, 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 mais attends, ah, oui, mais attention, ça me prend pas la tête, là, moi, si j'ai accepté ce week-end, au départ, c'est pour, et puis avec tout ça, qui, puis l'autre aussi, là, qui, enfin bon... En résumé de tout ça, émotion, retrouvailles, promiscuité, réminiscence... oui, alors, à un moment donné, il va y avoir des verbes, et tout ça va prendre une cohérence. Hein. Ça va le faire. En fait, ce que j'essaie de t'expliquer, bah, c'est que je... Eh bah, c'est que je... Tu quoi? Si tu me coupes à chaque fois, on va pas y arriver, non. Bon, écoute, c'est moi qui ai quelque chose d'important à te montrer. Je voudrais que tu regardes ça. Ah bah, c'est la photo de ton fils, tu l'as retrouvée? En fait, je l'avais pas vraiment perdue. C'était juste pas le moment de te la montrer. Parce que là, c'est bon moment de me la montrer, là. C'est... Je sais pas. Ah ouais. Eh ben, je sais pas trop quoi dire, il est bien... Enfin, il est bien proportionné, enfin, je veux dire, on voit bien que c'est plus un bébé, déjà... Et puis alors, on voit bien que c'est un garçon aussi, parce que des fois, de nos jours, dès le départ, c'est pas sûr, mais là, on voit bien que c'est un petit gars. Et puis alors, il a ta bouche, et puis tes yeux, hein. Non, regarde bien. Ah ben, c'est... Il a les yeux de son père. Faut pas crier, Lori, à cause de la tornille. Attention, avalanche. La coquette est au sol. Wow, c'est pas...
passé juste à côté, je crois. Oh. Ouf. On t'avait dit, Blandine, de pas chanter sous la corniche, hein. Même la truffe te l'a dit avant de hurler à son tour, là. Tu sais, faut que tu te reprennes, mon bébé d'amour, hein. Tu pars en sucette grave, là. Hé, hey, qu'est-ce que là, viens là. Viens là. Hé, hey, tu me casses tes couilles. Ouais, ouais. Pierre. Ça va, Pierre? Vous n'êtes pas blessé? Non problème. Je suis juste bloqué. Mais je pense que d'ici quelques heures, grâce à la chaleur thermique de mon corps, je pourrais tenter quelque chose. Essayez de faire pipi, bien, pour faire un passage. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend le printemps, voilà ce qu'on fait maintenant.